Bonjour, je suis dans le soleil actuellement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, ah voilà. J'espère que vous aviez mis de la crème solaire. Là, vous venez d'attraper un coup de soleil autrement. Mais pourquoi l'image est aussi désagréable? Fichu caméra. Elle lui réglait chelou. Comment allez-vous? Après ce coup de soleil attrapé en début de live. Il est vrai, c'est un retard historique. Mais rassurez-vous, j'étais pas sur Elden Ring. J'étais sur Elden Ring cet après-midi. Là, j'ai fait mon sport et j'avoue, j'ai pris une douche très longue. Très longue, ça m'arrive. Attends, en fait, c'est la lumière jaune, je crois, qui est hyper moche. Attendez, laissez-moi voir un truc. Si je mets concentration. Ah, voilà. Stimulation, même. Non, concentration. Non, stimulation. Stimulation, excellent. Bien le sport. Bien, bien, bien. J'en ai chié. Là, mon coach, il me fait des séances où je dois faire une série de 5 reps seulement. Avec des poids très lourds, et ensuite j'attends genre 40 secondes et j'enchaîne sur une série de 8 avec des poids un peu moins lourds. C'est très bizarre, mes muscles comprennent rien, j'adore. Lucas, tu as un gros projet en cours, et voilà, ça veut subtiliser des informations. Ben, vous savez, vous êtes au courant, on a fait un énorme tournage là, j'en ai parlé plusieurs fois. À Paris, la Défense Arena, à la U Arena qui était big, et ça sort dans. Je crois que ça sort dans pas si longtemps, le premier, il sort dans genre 3-4 semaines? 3-4 semaines? Ouais, un truc comme ça. Y a quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah ouais, dimanche, il y a Essayer de rester calme 3 qui sort, qui est un peu différent des autres, qui est un peu plus marrant, moins axé hardcore, parce qu'on a fait la vidéo en même temps, on affronte de plus grandes peurs, qui elle était des trucs hardcore. Là, c'est un peu plus rigolo, mais ça fait quand même monter le BPM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Y a Thread Horror IRL 2, qu'on a tourné hier, c'était incroyable. À l'occasion de la sortie de Blick, hein, dans 3 semaines, Blick sort, les gars. 3, pile 3 semaines, Blick sort. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, il y a d'autres vidéos que je tournerai au bureau qui sont ni des vidéos studio ni des big trucs, ils sont des entre-deux cool. Un peu à l'image de concours de jouets qu'on avait fait avec Hugo et Maxence, avec Seb et Maxence, pardon. Et puis voilà. On a plein de trucs là, on n'arrête pas. Et là, il y a un clip qui vient de s'ajouter. On a une idée de clip trop marrante. C'est vous savez, Chrono Music qui est dans les Trid GT, il fait un projet qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Et en gros, il fait une mixtape avec Ronard et Pendresse, deux potes à lui. Qui est axé, genre ça va être des sons qui sont bien, mais c'est aussi l'occasion pour les artistes qui viennent dessus de faire des trucs un peu troll et marrants quoi. Et je crois qu'il y a plein de gens dessus, il y a genre 40 sons. Et donc on a fait un son ensemble aussi, et du coup je pense qu'on va le clipper. Je pense qu'on va le clipper là, on vient de le finir et tout, il est vraiment bien, je suis vraiment content. C'est vraiment ma nouvelle direction des sons, vous allez voir, c'est ce genre de truc. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Essayez de ne pas rire de IRL, Squeeze. Je voulais, mais en fait, je sais pas, les retours étaient partagés sur l'épisode 1. Les retours étaient partagés. En fait, soit les gens, c'est leur vidéo préférée, soit ils ont détesté. Et tu vois, c'est des vidéos où il n'y a pas d'entre-deux, alors que généralement, il y a quand même plein d'entre-deux, il y a de la nuance là-dedans. Cette vidéo-là, il n'y avait pas de nuance, quoi. Soit les gens l'ont adoré, genre, il y a des gens qui m'ont envoyé des SMS pour me dire, mec, j'ai ma vidéo préférée ever, et d'autres qui m'ont envoyé des SMS pour me dire, vraiment de la merde. C'est drôle, c'est drôle. Donde está la biblioteca? Non, 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 alors ça, pour l'histoire, est-ce que je peux l'avoir, Donde está la biblioteca? Je sais pas si on l'a, attends. Mais vous allez rire. En fait, je vais vous de... on va parler, ce soir c'est un live, on va talk de fou, même avec le clear derrière, on va parler de malade. J'ai envie de parler là, ça me manque. Parler avec vous, j'aime bien les lives pour ça qu'on discute. Déjà, j'ai fait un auto-test Covid tout à l'heure. Parce que sur les tournages, je suis au contact de plein de gens, il est négatif. Hein. Peut-être il est positif, vous saurez jamais. Non, il est négatif. C'est bon, vous voyez. Négatif! Toujours aussi désagréable de se mettre le coton-tige, mais il y a du progrès. Il y a quand même du progrès. Genre, je me nique moins les narines qu'à 20 ans. Est-ce que je peux vous montrer où est-ce que je peux avoir le Donde está la biblioteca? Putain, je sais pas, c'était il y a longtemps. Il y a eu tellement de trucs. Attendez, il faut que je coupe le retour El Gato pour voir. Ah mais non, mais du coup je peux pas. Ah je sais pas. Ah mais non, mais là c'est trop risqué. Après je l'ai peut-être reçu par mail de Chrono, je sais pas. Bon bref, on avait fait un faux son latino, mais un peu comme souvenez-vous la vidéo qui annonçait l'album où je sais pas, j'avais fait plein de maquettes latino aussi. Et en fait à la base, on avait fait ce son-là avant Time Time avec Chrono. Pour la Zizi Kaka mixtape. Et en fait, le problème, c'est que c'était une sorte de time time en moins bien. Tu vois, c'est genre un son où je chante en espagnol. Il s'appelle. Le son, il devait pas s'appeler Donde está la biblioteca. Ça, c'est les paroles du refrain. Il devait s'appeler LV2. Comme espagnol LV2. Juste LV2.
Et en gros, je chantais en espagnol tout le son. Et le son était objectivement, musicalement, était cool. Et du coup, ça faisait on voulait brain en mode que des gens qui l'entendent, tu vois, quelque part, en soirée, je sais pas où, vite fait, ou qui le reçoivent, ils réalisent pas que c'est moi derrière. Ça nous faisait marrer ce truc-là. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec les trilles DGT, sauf que le son des trilles DGT est 10 fois mieux et tout est plus poussé, quoi. Parce qu'on avait plus de temps aussi pour le faire. Donc, du coup, quand on a sorti Tam Tam et que tout le monde s'est approprié Tam Tam et rentré dans le délire et tout, on s'est dit, bah attends, Don Desta à la Bibliothèque, LV2, c'est la même chose en moins bien et sans le côté boys band. Trop relou. Donc du coup là, on en a refait un autre qui en fait était l'un des sons qui devait être. Vous voyez ce qui se passe, comment on se prend la tête. C'est l'un là le son du coup qui sera sur la tape, c'est pas LV2, c'est un autre son. Et cet autre son là, c'est un son qui devait sortir moi sur mon prochain projet, je ne sais quand. Et en fait, je me dis vas-y flemme, autant le sortir maintenant, on le finit vu que je l'avais fait avec Chrono ce son là. On s'est dit bah vas-y et Pendrez, bah go le faire maintenant, go le mettre sur votre tape. Voilà. Donc les petits, on se prend la tête. Mais c'était marrant mais je sais pas si je peux le retrouver. Attends, faudrait que je check sur mon. Ouais, ça va être trop long. En fait, j'ai 1 milliard de vocaux dans la conve avec Chrono et je sais pas lequel est bon. Je sais pas lequel est bon. C'est terrible, j'en ai 1 milliard et j'ai pas envie de vous faire écouter une bêtise parce qu'on s'envoie beaucoup de trolls et tout. Peut-être c'est ça, attends. Attends, mais là, ça va être sur quoi? Ah, je sais comment faire! J'ai la solution! Elle sort quand c'est quelqu'un mixé? Je sais pas. Dans quelques semaines, il me semble. T'as regardé la nouvelle saison de Euphoria? Putain, c'est incroyable. C'est la meilleure putain de série, quoi. Franchement. La réal, la lumière, les comédiens, la mise en scène, le script, putain, les dialogues, tout est tellement bien. Tu t'y crois de fou. Franchement, c'est incroyable cette série. Je suis vraiment fan, quoi. Et pourtant, putain, qu'est-ce que ça me saoule, les séries d'épisodes de 55 minutes, les gars. Moi, depuis que je passe ma vie sur TikTok, ça m'a. C'est horrible, hein, mais mon attention, déjà que j'en avais pas beaucoup, elle a été divisée par 800. C'est terrible. Genre, dès que c'est un truc de 55 minutes et qu'il y a des lenteurs, je déconnecte. C'est terrible. Joli disque d'or Tam Tam. Moi, je suis trop content, bah, pour l'histoire, regardez. Avec la photo, on saute du train, là. Il fait vraiment disque années 2000, lui aussi, c'est drôle. Ne spoil pas, MDR. Je spoil pas, vous êtes fous, quoi, j'ai rien dit. Jamais de la vie. Natsu le cadavre, ouais, Natsu, il. Il a fait une belle sortie aujourd'hui, il était trop content. Mais tu poses jamais sur TikTok. Ouais, parce que je consomme à mort, mais je poste pas spécialement. Mais je vais essayer cette année de. En fait, je me mets trop de pression quand je crée des contenus à me dire ça doit être trop bien, ça doit être comme s'il faut vraiment que je mette que des trucs hyper taffés où je suis sûr de moi. Et je pense qu'en fait, à un moment, il faut aussi. TikTok, pour le coup, ça se prête vraiment à faire des trucs. Tu mets en ligne, ça marche bof, t'en bats les couilles. Le prochain, il marche bof aussi, t'en bats les couilles. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche et tu fasses ah cool, il y en a un qui a plu. Enfin, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut faire des TikTok en se prenant vraiment la tête. En fait, sur YouTube, aujourd'hui, je me prends la tête normal parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos et tout. Mais sur TikTok, on s'en fout, quoi. En vrai. S'en fout, c'est ça qui est cool avec cette plateforme, c'est que c'est vraiment tes ressentis du moment, tes petits délires, tac tac, c'est marrant. Grâce à Théo sur TikTok, on voit les backstage du clip Tam Tam. Ouais, Théo Bonnet a un TikTok si vous voulez aller voir, qui est le très 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 bon ami à moi là, avec qui on bosse depuis des années et qui est derrière tous les gros projets que vous kiffez. Et du coup, il met des petits rushs exclus, des petits making-of, des trucs qu'on fait ensemble. Donc si ça vous intéresse, voilà, le mot est passé. Attends, je vais essayer de vous retrouver dans Desta, la Bibliothèque, parce qu'il est marrant. Mais je sais pas, putain, ça bug en plus WhatsApp. Fuck! Mais donc, ouais, il y en a un autre et on a une trop bonne idée pour le clip. Genre, je suis vraiment content du clip. De l'idée qu'on avait pour le clip et j'aimerais bien. Mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Là, vous êtes dans ma tête là pendant ce live. Genre, je me confie, je me livre. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, j'aime bien l'idée de sortir des sons et qu'avant il y ait un peu comme les hits de l'été, mais les hits de l'été c'est en version très poussée, etc. Mais trouver un petit concept. En ce moment, je suis dans un mood, j'ai envie de faire des petites vidéos homemade trop bêtes. Enfin, trop bêtes, genre hyper simple. On arrive, on pose une cam, ça tourne, on fait ce qu'on a envie de faire en impro. Et ça me manque et j'aimerais bien trouver un concept pour justement faire un format où on fait le clip du son qui sort mon prochain son. Et on le fait, en fait, on a une ou deux journées pour le faire nous-mêmes en mode homemade de fou. Et en plus, on a eu pas mal d'idées en amont avec Chrono pour le clip, de trucs. Ça va être méga homemade. Je sais pas, en ce moment, je crois que c'est à force de faire des trucs produits de fou dans tous les sens. À côté, il y a les vidéos anecdotes, les vidéos histoires et tout, qui sont des vidéos simples que je tourne ici. Mais j'ai aussi envie de faire l'entre-deux, quoi. Des concepts avec d'autres gens, mais très homemade, très simple, très. Je sais pas. Un peu. Ça se rapproche plus des lives que des vidéos, tu vois. Mais je sais pas, ça me fait envie, quoi. Comme avec Big Flo Lee, exactement.
Exactement, Magikarp, vous le mettez VIP, 20 secondes. Mais exactement. C'est, tu vois, ce truc où on arrive, on a un concept vite fait, on a même pas trop retourné le truc dans notre tête, on est là, ah, vas-y, on se laisse guider, c'est vraiment marrant, je trouve. La musique sur YouTube. Ah ouais? Donde está la biblioteca? Attends. Donde está la biblioteca? Ah, mais oui, attends. Non, elle y est pas. Ah, si, elle y est. Si, si, elle y est. Si, si, elle y est, putain. Comment ça se fait qu'elle y est? Parce qu'elle est dans le jeu, en fait. Ils l'ont mis dans le jeu vidéo parce qu'ils ont fait un jeu vidéo pour teaser le truc. À moins que c'est un troll? Attends. Est-ce que c'est un troll ou est-ce que c'est ça? Ça marche pas, El Gato, El Gato. Est-ce que ça marche là? Non, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je le rebranche? Oh non! Ah! Attends. Ah, c'est bon! Ah, je l'ai eu pendant une seconde. Je crois que ça a marché. Mon PC est en train de crash. Ok. Je suis désolé, c'est très bizarre ce qui se passe. Ah, et mon Elden Ring a crash plusieurs fois tout à l'heure aussi. Et non, ça y est, ça remarche plus. Merde, mais comment ça se fait? El Gato, pardon, j'avais oublié. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, hey, vous savez quoi? On va faire un live où on appelle le SAV d'El Gato, je vous jure. C'est plus possible. On va faire un live où on appelle le SAV, je vous jure. En live, on va les appeler. Je vais dire, les gars, pourquoi à chaque live, j'ai 18 problèmes techniques venant de vos boîtiers? Comment? C'est dingue! Le TeamViewer a crash. Ah ouais? Attends, les deux PC forts. C'est incroyable. Dans deux secondes, il va appeler Luito Saled. Même pas besoin, frérot. Luito, c'est déjà là. Luito, c'est déjà là. Attends. Désactiver. Activer. Est-ce que ça a marché, ça? Non. Non, mais il y a une espèce de bug. Genre, je vois ce qui se passe. Il y a une espèce de bug. Attends, peut-être si je ferme Chrome. C'est bizarre. Parce que dans ce cas, il vous faut le son pour après. Donc, en vrai, on résout pas ce bug pour rien. Y a quoi dans le shaker de la prot? Hashtagade. Regarde, elle est mal mélangée, putain. C'est dégueulasse. Ah! J'essaie d'être à 2600 calories par jour, je sais plus combien là. Je donne tout. Ça se passe pas méga bien. Ça full lag, je peux rien faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Les gars, qui sabote mon matériel à distance? Ok. Attends. Sinon, en tout cas, il faut qu'OBS marche pour qu'on puisse faire le tribunal des bannis ce soir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, c'est un de ces merdiers, c'est... Je vous jure que c'est étonnant. Ah. Débranche, rebranche. Voilà, on en finit toujours là, on en arrive toujours ici. Faut qu'on fasse un... Je vais demander à Jordan de faire un 15 secondes de musique en disant une chanson qu'on mettrait quand El Gato bug. Ah maintenant c'est le Cam Link. Je veux une chanson à lancer. Ok, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit le truc? All good normalement. Alors ouais, mais j'entends pas. Je l'entends... Ah mais si, si, c'est bon, putain, c'est que je suis au mauvais truc. Hop. Voilà. Ouais! Bon, c'est bon, tout marche, excellent. Ouais, donc en fait, c'est un son qu'on avait fait à la base et c'est un peu les prémices de Time Time, qui est un délire qu'on avait eu avec Chrono, etc.
C'est la position. Bah, j'ai une position honteuse? Mince alors. Ah, j'ai pas fait de tweet non plus. Je suis vraiment désorganisé ce soir. Elden Ring, j'ai bien avancé. Je suis au géant de feu. Il m'a tué environ 35 fois. Donc je suis retourné faire d'autres boss, d'autres trucs pour passer des levels. Voilà une petite info. J'ai tweeté. Ah, mais Louis, tu es parfait. Tu es parfait. Je vais quand même le relayer avec le compte principal. Hop, citer le tweet. Nous serons indulgents. Voilà. T'es vraiment désorganisé ce soir? Tous les soirs, tu veux dire Squeezie? Hop là, c'est un timeout! Chat, on applaudit Harry Potter qui a chopé un timeout en seulement une question. Bien joué à lui. T'avais aussi le délire des frénétiques. C'était bien les frénétiques, putain, c'est vrai. Attendez, vous me donnez une dose de nostalgie de fou là. C'était bien les frénétiques, putain. On avait failli le refaire à un moment donné, puisqu'on avait une OP pour financer le truc et tout, ça allait être bien. Mais c'était incroyable ce délire avec Maxence des frénétiques, ça. C'était ouf. Le son, je l'écoute régulièrement, quoi. Premier dog, je le trouve vraiment bien. C'est Maxence qui l'avait fait. Tu l'as là. C'était bien, en tout cas, ici. Franchement, j'avais kiffé. Non, là, c'est celui-là, regardez. Je vous mets juste un refrain, vous allez rigoler. Et on voulait du coup troll les gens avec ça. Normalement, si vous avez fait LV2, vous comprenez tout. Me gustaría el mejor del vino. Sí, me gusta ir al aeropuerto para discutir. Lo siento, pero tengo de irme. Tú y tu madre, que pude estarme. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la biblioteca? C'était l'avant Time Time. Dime como está usted. Dites-moi comment allez-vous. C'est vraiment de la trad LV2 basique. C'est drôle. Elle sortira quand? Elle sortira pas, elle. Elle est juste sur la. En fait, ils l'ont mis en bonus dans le jeu qu'ils ont fait. Mais elle sortira pas. C'est vraiment un truc qu'on a mis à la poubelle après qu'on ait fait Time Time. Parce que Time Time reprend un peu ce délire-là, mais en mieux. Et ça, pour l'histoire. En fait. Ils ont fait un jeu, Chrono. Je vois beaucoup Chrono en ce moment depuis Time Time. On est méga proches et je passe vraiment du bon temps. C'est vraiment un humain génialissime. Et en fait, c'est marrant. Il y a plein de sons qu'ils ont mis dans leurs jeux vidéo. Ils ont fait avec RPG Maker. Je sais pas si vous connaissez. C'est un moteur de jeu qui te permet de faire un RPG facilement en 8 bits comme à l'époque, quoi. Comme les premiers FF et tout. Et ils ont fait un jeu basé sur l'univers de leur mixtape, quoi. Où c'est genre les héros qui doivent aller chercher dans un monde fantastique. Je sais même plus ce qu'ils vont chercher. Mais bref, et du coup, ils croisent tous les guests de la mixtape dans le jeu. Il y a des quêtes et tout. Et donc, dans ce jeu-là, ils ont mis tous les brouillons qui iront pas sur la mixtape et les ont mis pour faire kiffer les gens, quoi. Et donc, Donde está la biblioteca, enfin, LV2 fait partie de ces brouillons. Et on a un autre, je vois, qui a été mis, qui est Pipo Lapi. Et je vous le fais écouter, je vous raconte l'histoire de son après. C'est le matin, je me réveille avec plein de trucs à faire. Mais d'abord, faut que je m'habille. Alors, je commence par mettre un slip et ça fait pipo pipo. Elle m'a refusé pas. C'est vraiment débile. Et ça continue après. Et en fait, c'est pareil, c'est des maquettes que Chrono faisait dans son coin et qu'il m'envoyait. Et des fois, après, on va en studio, on continue le son, etc. Mais c'est marrant, il a mis cette maquette-là dans le jeu, quoi. En fait, c'est vraiment un peu la poubelle, c'est la corbeille, ils ont tout mis dans le jeu, c'est drôle. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était le petit point musique. Mais on n'est pas là pour ça ce soir. Ce soir, on va faire un tribunal des débans. Et croyez-moi, je serai pas indulgent du tout. Mais bon, Locklear est là pour rattraper le coup. Vous connaissez Locke, il est juste, il est fair, c'est un maxi beau gosse. Alors attends, chope le lien, ouais c'est bon j'ai le lien. Tac 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 tac, ok on a plein. Ok, parfait.
Alors, est-ce que Locklear est là? Hop, je me démute, il va arriver dans un instant. Locklear, level 200 sur Elden Ring. Eh, ceci dit, il avait raison. Plus t'augmentes ta vigueur, moins proportionnellement à par point investi, tu gagnes de santé. Voilà. Oui. Oui, mais attendez, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Quelle en était la source, Locklear? El Gato, c'est gagné! Bravo! Oui, oui. Bravo! Oh putain, mec. On l'entend pas, merde, vous l'entendez pas? Oh non. Mais si! But! Si, Butly! But! Si, je pense que vous l'avez entendu en cours de route, j'avais mis Discord, my bad. Bon, comment ça va, toi, Elden Ring? T'en es où? T'as fini? T'en es où? J'ai fait une micro-pause, mec, pour éviter. Tu sais, genre, là, mec, je te dis, hier, j'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie, je te le dis. À cause de Elden Ring? À cause, tu sais, du. Bah ouais, un peu du marathon, du. Tu sais, tous les jeux que je fais en ce moment et tout, c'est horrible. Et j'ai fait une séance d'eau aussi, mec, j'ai fait soulever de terre à 80 kilos. Elle est là, la vraie raison. 90 kilos soulever de terre? Ouais. Waouh. Wow. Ouais, j'étais pas bien. Soulever de terre, j'évite tout le temps de le faire parce que ça me nique le dos, mec. Non, je te jure que non. Tu devrais le faire. Bah moi, ça me parce nique que... le dos. Après, j'ai vraiment mal non. au dos. Mais c'est pas mal, musculaire. Tu fais mal. Non, tu fais mal. Eh oh, oh. Non, mais vraiment, tu le fais mal parce que je t'assure, ça nique pas le dos. Si tu le fais vraiment bien et tout, tu t'appliques. Mets-moi et tu le fais bien, quoi. Moi, je te dis à 90 kilos, oui, ça me nique le dos. Je te dis la vérité. Bah voilà. Ah bah ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai mal genre dans le creux du dos, en bas. Genre, c'est pas un mal de dos musculaire, c'est un truc de, je sais pas. Et en fait, mon coach m'a donné des étirements à faire. Il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, il y a un muscle qui s'appelle le truc, le tien, comme t'es tout le temps assis, il est petit. Du coup, il s'étire mal, du coup, t'as machin truc. Et les étirements, je les ai jamais fait. Voilà. Tu fais Cobra? C'est quoi Cobra? Tu sais, t'es par terre là, à plat ventre, et tu pousses sur tes bras, et tu sais, genre, tu sais, la position yoga cobra là. Tu sais, il y a que ton haut du corps et. Attends, y a yoga cobra, attends, je vais sur Google Images, qu'est-ce que c'est? Ah! Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ce truc. C'est bah, beaucoup ça, en tout cas. Plus complexe. Fais-le ça. Ah ouais? Ouais. Alors, tu savais qu'il y avait. Il y a deux positions similaires, il y a la position du cobra et il y a le chien tête en haut. C'est presque la même position, ouais, mais c'était pas le même étirement. Ouais, dans le yoga, frérot, il y a tellement de trucs. Mais gros, je suis une énorme merde en yoga, laisse tomber, quoi. Ouais. Je suis pas souple de malade, je suis pas souple du tout, moi. Moi non plus. Je suis vraiment pas souple. Mais non, tu devrais essayer, si je vais te dire. Mais tu sais, en plus, t'as des poids libres, toi, tu devrais les prendre. Et commencer, tu sais, genre, les jambes toujours droites et tu te baisses en avant, 90 degrés, tu sais, et tu remontes avec les poids. Et tout en utilisant les jambes. Ça fait l'arrière des jambes, mec, je te jure, là, les jambes, je suis en train de devenir un pro, là. Mes jambes donc de coq, c'est tu te penches à 90 degrés et ensuite tu reviens droit. Ouais, mais tu sais, t'as les jambes tendues. Genre, mais tes genoux, ils se plient okay, pas. Ok, attends, je le fais sur mon live, dis-moi si je le fais bien. Vas-y, attends, je regarde. Genre, tu t'es comme ça et tu t'as les poids comme ça. Et c'est parti. Tu fais ça? C'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et tu te relèves. Ouais, et tu te relèves. Et en fait, tu voilà, tu sais, mais tu sais, ton cul, il recule un max. En mais fait, c'est ton cul qui recule et c'est ton cul qui avance pour. Mais non, parce que là, j'ai plus les jambes tendues. Non. Voilà. Avance plus, tu sais, quand tu remontes. Avance plus. Quoi? Ouais. Je vais dire un truc, mais c'est comme quand tu fais le mouvement, genre t'as envie de ken, quoi, tu vois. Vas-y, c'est quoi? C'est exactement, vraiment pas des trucs à faire en live, ça. C'est vraiment pas des trucs exactement. À faire en live. Et en gros, tu fais ça, et ça, c'est là, et tu vas te sentir à l'arrière des jambes, mec. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi c'est mon exercice. Mais ça sert à quoi de faire les jambes? Je porte un jean tout le temps. Bah, je suis d'accord, ça sert à rien, mec. Moi, je porte un jogging et je monte que le haut du corps dans mon live, donc bon. Bah, pourquoi, frérot, tu pourrais ne pas avoir de jambes, je le saurais même pas en fait. T'es tout le temps assis, je vois que le haut de ton. Bah, ouais, c'est d'ailleurs pourquoi pour ça que. Pourquoi muscler les jambes? Tchad, pourquoi faut muscler les jambes? Bah, en plus, ça sert plus à rien dans le métaverse, il n'y en aura même pas des jambes.
Mais c'est vrai. Ouais. Ça, il n'y aura pas de gym dans le métavers. À quoi bon? Non mais en vrai, les gars, pour des gros sacs à merde comme nous et vous, chat, ça sert à quoi de se muscler les jambes pour protéger ton dos? Ok. Non, c'est, ça sert, ça sert, ça sert. Ça sert, mec. Et pour équilibrer le corps aussi. Parce que tu peux pas avoir un corps déséquilibré. Soulever de terre, meilleur exercice. Ah non, moi, les gars, je vous jure, je le déteste. Je le déteste. Non, non, non. Eh, hey, mec, je te jure. Fais-le avec moi, tu vas pas, tu vas kiffer. Et aussi, tu sais, ça bosse tes avant-bras de malade. Mmh. Ça bosse tes avant-bras. Ça bosse tout, mec, soulever de terre. Tout. J'aime pas. Déjà, on dirait un nom de compétence d'arme dans Elden Ring. Donc déjà, j'ai peur. Bon, moi je fais que des squats. Moi j'ai que des squats avec la barre sur les épaules. Non. Si ? Non. Si ? Squat, j'aime pas, ça fait pas l'arrière. Ah non, t'es un malade, tu les fais mal. Mets bien tes genoux vers l'extérieur, descends bien, tu les fais mal, tu les fais mal. Eh mec, ça tu les fais mal, squat, ça fait tout, t'es fou. Crois-moi, eh mec, crois-moi, je fais 6 séries de squats et derrière je fais Bulgarian squat et je fais l'exercice que je t'ai montré là. C'est quoi Bulgarian squat? Non. Bulgarian squat, c'est, tu sais, tu mets une jambe sur le banc et tu sais, tu... Ah oui, c'est bon, oui, c'est une espèce de fente, mais avec une jambe sur un banc. Oui, oui, c'est bon. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment horrible, ces trucs-là. Ça, je trouve ça exécrable. Mec, c'est exécrable. Ouais, ça, c'est terrible. C'est exécrable. C'était... Et il y en a aussi, attends, non mais j'en ai marre, non mais je te montrerai en privé. Il y en a, il est bien. C'est quoi? Il y en a un, c'est genre, il est archi bien, il te fait le devant des cuisses, il te démonte tes morts. En fait, tu te mets contre ton banc, comme ça, tu vois mon live là? Contre ton banc, ah! Je sors d'une séance, j'ai mal. Là, t'as une barre ici. Je sais ce que tu vas faire. Là, t'as une barre ici là, ok? Ouais. Donc tu mets tes petits poids. Et en fait, donc tu tires la barre, mais là je peux pas appuyer contre ma chaise parce qu'elle va bouger, donc je vais remettre mes bras sur ma chaise. Mais tu montes quoi. Et en fait, tu montes le... Bon, j'arriverai pas, rien ne va. Rien, je peux pas te montrer. Ça, tu le montes là, comme ça là. Bon, ouais, vous savez. Il canne vers le haut quoi. Et voilà, tout de suite. Je bouge le bassin. On a lu des trucs la semaine dernière. C'est vrai qu'on a passé des caps. C'est vrai qu'on a passé des caps. On a passé des sacrés caps. C'est vrai. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal, tu vois. C'est devenu un live muscu. Ouais, excusez-nous, parenthèse. Mais tout le monde fait du sport. C'est génial, trouve pas? Tout le monde fait du sport. C'est très bien. J'étais avec Amine et Billy la dernière fois. Les deux, ils font grave du sport. Inox, pareil, grave du sport. Toi, Gotha, il a eu sa phase là. Il a arrêté? Je crois. Parce que mec, il passe trop de temps à streamer, lui, il peut rien faire d'autre. Il aime trop les jeux vidéo. Il mange en stream et tout. Mais ouais. Bon, est-ce que t'es prêt à juger avec... Je suis prêt. Je compte sur ton indulgence et ta justesse. Toi, tu es vraiment quelqu'un de bon. Allez, go first thread. est-ce que tu peux juste rentrer la mèche qui dépasse là dans ta casquette? T'inquiète mon ref. Merci mec. T'inquiète pas mon ref. Oh merci mec. Oh merci, c'est beaucoup. Sors de la douche, ça fait dégueu. Est-ce que tu peux juste rentrer la mèche? Merci frérot, j'adore. C'est bon, j'ai rentré. Tu te sens mieux? Ah, je sens beaucoup mieux là, c'est mieux là. Je suis content mec, je suis content. Locklear, okay. On a un premier client. Alors, il faut que tu me partages ta fenêtre Discord sans rien leak, s'il te plaît. Sans rien leak. Leak. Voilà. Leak. Qu'est-ce que t'as... Ok. Attends, il est en train de... Louis, il est en train de faire ce qu'il faut. Ok. Tu es prêt? Attends, je regarde. Non, je suis pas prêt. Tu es prêt? Non. Tu es bêteux. Tu es bêteux quoi. Bon, t'as pas l'air fatigué là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah si, quand même, la short de mon sport, ça m'a mis un petit coup. Et moi, mec, j'ai eu comme toi, j'ai eu cette semaine, j'étais fat. Mais qu'est-ce qui se passe?
cette semaine, j'étais fatigué de fou à cause de je crois, de Elden Ring aussi, je te jure, mec. Ouais, t'as beaucoup streamé aussi, là. Ouais, il m'a tué, ce jeu, c'est un truc de ouf. Et je l'ai toujours pas fini, putain de merde. Il y a un build, là, je passe ta vue, en PVP, qui est OP de malade. Ah, le c'est PVP, mec, ça lag un peu, c'est chiant. Non, genre. Mais il y a un build qui est vraiment abusé. Comment ça s'appelle, tu sais, c'est un dot qu'on te met, et quand t'arrives au max, il y a des espèces de branches qui sortent de ton corps et t'es one-shot. Ouais, c'est le truc de sang, là. Ouais. Le rouge. Et ben, il y a un build où, en gros, tu te mets un truc sur toi, qui fait que quand un ennemi est à proximité, ça lui met des stacks très vite, très fort. Non. Ouais, et ensuite, tu vas à côté du mec, et en gros, voilà, tu lui cours autour en faisant des roulades, il est mort. Oh, mais c'est trop cheaté, j'adore. Et il y a un mec qui... Et en fait, là, actuellement, quand tu te fais invade, généralement, et que t'es un bon joueur, c'est que des gars qui font ça. C'est mal mort, ouais, ça s'appelle, c'est ça. Voilà. Donc, ok, j'ai ton écran, bouge pas. Voilà, j'active ça. Très bien. Tu es prêt ? Je te lique pas. Dans 2 secondes. Plein écran. Après, alors les gars, le tribunal il va durer genre 1 heure. Après, on va enchaîner sur un petit jeu. On va devoir bien communiquer avec Locke, ça va être très marrant. Ok. Voilà. Locke, es-tu prêt ? Je suis prêt. On est avec Razen. Razen, il est là depuis le 29 août 2019. Ça fait un petit moment maintenant. Mm-hmm, Razen, mm-hmm. Il est venu en octobre 2021. Tu peux caresser Guapo. Dwag est aussi cancer que la commune League of Legends. Donc là, tu vois, il en a après Dwag. Bon, tout se passe bien, blabla. Putain, mais vous cassez les couilles, Acroblock, ce jeu de paix. Hop là, il se prend à 600 secondes. Il revient. Mais. Ah, là, je suis content de voir qu'effectivement, il y a eu des chances là qui ont été données. Il y a eu des chances qui ont été données. Ils ont intégré, ils ont intégré tes conseils. Ils ont intégré. Et là, tu vois, du coup, nos avis, notre manière de juger va être complètement différente maintenant. Parce qu'on voit qu'on a donné beaucoup de chances déjà là. Là, il a une chance, il prend 600 secondes. Ensuite, il prend 3600 secondes parce qu'il dit les modos, vous êtes comme Dwag, des connards ENT sans jugement. 3600 secondes. Et quand il revient. Connard ENT. Connard ENT. Hein. Il précise. Non, mais attends. J'apprécie beaucoup le fait qu'il précise que nous sommes plusieurs connards. Des connards. C'est vrai, il a mis le pluriel, ouais. J'apprécie. C'est vraiment le pluriel qui n'existe pas. Quoi. Alors après, il écrit un peu mieux parce qu'il a dit podo, alors que ça veut rien dire. Podo quoi podologue. Podo, ça veut dire pied, du coup. Mais il s'adressait pas aux pieds. Il s'adressait aux modos. Même... Donc il dit alors, je voulais dire les modos. Attends. Le M est juste. Tu vois, le M et le P sont à côté. Donc il s'est chié dessus. Ouais, c'est ça. Et là, il le notifie. Modo, ouais. Il dit ah pardon, je voulais dire les modos sont comme Dwag, des connards ENT. Ah, il a tué. Aïe. Et je peux te dire que le S, il est pas à côté de ENT, frérot. Là, il y a pas d'excuse. Qui possède pas de jugement et d'intelligence et tant qu'à faire, ferme ta gueule. Ah, directement. Attends, non, c'est pas ferme ta gueule, c'est gueulouille. Ta gueulouille. Ta gueule. Ah, ta gueulouille. Gilles Lelouille. Donc il se prend son ban. Par Razen, je m'excuse et attention, les voyons voir. Non, comment, il se fait ban par Azerius. Ah oui, Azerius, pardon. Ok, c'est le premier. Mais les jugements vont pas être parfaits ce soir, Chad, vous l'aurez compris. T'inquiète pas, c'est pour ça que je suis là. Je m'excuse sérieusement envers les modérateurs et Dwagby, car après réflexion, j'étais complètement débile. Mais j'avais passé une très mauvaise journée. Attends. Il a vu les anciens tribunaux. Il dit exactement ce que toi, tu dis à chaque fois quand un mec part en vrille. Mais la vie est dure. Ils passent de mauvaises journées. Ils expriment leur toxicité. Hop, ils touchent sur ta consensible. Moi, il essaie de te manipuler. J'aurais pas dû. Dwag est parfois très toxique avec ses provocations, donc j'aurais certes pas dû l'insulter, mais bon, faut me comprendre, il provoque trop bien. Si par miracle je suis débattre, je n'insulterai plus jamais dans les chats Twitch. Je comptais d'ailleurs m'abonner avec Twitch Prime. Oh lolo, il sait. Très bien, suivant. Zernios Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça va Squeezeezy. Donc là, déjà, il prend pas un time-out. Moi, j'aurais time-out pour cette blague. Vraiment ? Oui. Jade, hors pas la bite. Beats. Ah, il fait des jeux. J'ai la... Attends, vraiment, là ? Attends. Soit j'ai pas compris un truc, là. Dis-moi, il y a un truc à comprendre ou pas ? J'ai un Nintendo Switch, c'est ça ? Allô ?
Je suis trop innocent ou j'ai loupé un truc? Allô, allô? Quoi? Locke, y a rien qui choque là? J'ai la Nintendo Switch. J'ai la Nintendo Switch. C'est pas ce qu'il y a marqué, frérot. Oh, Switch, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Vas-y, lis ce qu'il dit. Et Louis à côté, il m'écrit un texte et il dit « Fais gaffe aux demandes postées il y a moins d'une heure. » C'est les demandes qui n'ont pas été vérifiées. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Squeeze, bon voilà, il a tenté une petite blague, haha, machin, hop là, prend son timeout, son ban def. Bonjour Squeeze, je m'excuse pour ce comportement inapproprié, j'ai dit des mots déplacés, je regrette de ne plus pouvoir interagir avec le chat. Depuis mon bannissement, la vie n'est plus pareille. Le jeudi soir n'est plus comme les autres car je ne peux plus m'évader dans ton chat. Ce comportement ne se reproduira plus jamais si tu me débannes, maître je squeeze. Cordialement, Zernios Twitch. Maître je squeeze. Je te laisse te prononcer d'abord. Je te laisse te prononcer. Maître je squeeze et je trouve très très drôle cette erreur. Bon, il vient, il fait 3 blagues, 3 bides. 3 bides. Plus une gênance folle. à un moment donné, voilà, il faut se remettre en question, Zernios, et je pense que ce bannissement sera la voie. Attends. Ouvre la voie. Attends. À la remise en question. Oui, attends, excuse-moi juste. Ça fait. Regarde quand il a été banni. C'était en septembre 2021. Donc là, il a pris. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il a pris 6 mois dans la gueule là. 6 mois. T'en penses quoi? Je sais pas. Bon, ouais, je sais pas, mec. N'oublions pas. Les blagues comme ça là, c'est relou, tu vois. Oui, à chaque fois, je suis obligé de répéter. Mais n'oublions pas que le gars, il refait une connerie là, tu vois. Est-ce qu'on a déjà frérot, eu dans le tribunal quelqu'un qui a refait une connerie? Non. Frérot, ce genre de blague, c'est permaban. Il n'y a pas de débat. C'est permaban. Sinon, tu ouvres la porte à ce que les mecs, ils tentent tous leur. C'est permaban. C'est pas drôle, c'est gênant. C'est... Allez, ça y est. Je suis d'accord. C'est nul. C'est impertinent. C'est impertinent. Je suis d'accord. En vrai, c'est impertinent. Ça sert à rien. Ciao. Allez. Je suis d'accord. 19 février 2020, banni le 21 avril. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. 2020. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est ban. Mais ramenez-le, ouvrez-lui la porte. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je t'aime, Squeezie chie sur ses abonnés. Comment il oh, sait? Oh, la vérité éclate en plein live. Comment il sait? La vérité qui fait quelqu'un... Comment il, sait-il? Il a entendu une conversation privée. Il a leak le channel Discord. Il a leak nos conversations privées. C'est GS. Après, il a mis ses petits trucs. Il était sub vu qu'il avait les mots. C'est pas des mots qu'on nous autorisait. Et attends, il se fait... Là, donc t'as vu, il prend un petit time-out, c'est pas un vrai ban, ça c'est cool. Et 120 ensuite... secondes, hein. c'est très léger 120 secondes. C'est léger de fou. Et non, ensuite, non, c'est 600. Fuck, pour exposer la vérité au grand jour, c'est vraiment peu je trouve, mais bon. Fuck les modos, ils bannissent out nos messages, wesh. Et il se prend un ban def. Alors, quelle est sa plaidoirie? J'ai pété un plomb, désolé. L'eau claire, je te préfère à Squeezie. Continue. PS, plus je suis gardé, moins je suis protégé. Qui suis-je? Allez, ciao les deux. J'ai eu mon bras chez l'homme. Yeah! Moi, ce qui c'est le mec qui met une énigme avant de partir. PS, c'est Perforas qu'on a banni, frérot. On a ban Perforas, c'est incroyable. Alors, c'est quoi, attends? Plus quoi je suis gardé, moins je suis protégé. Qui suis-je? C'est quoi? Vas-y. Viens, on trouve. Okay, regarde pas ton chat. Je regarde pas mon chat. Plus je suis gardé, moins je suis protégé. À Lyon? Allô? Bah, non. À Lyon, si tu le gardes. Le vent? Eh bien, non. Si tu gardes le vent, tu protèges le vent. Plus je suis gardé. Le feu! C'est pas un truc genre la liberté, un truc du genre comme ça là? Ah mec, j'ai gardé mon chat, fais chier. Ah t'as été spoil? Ouais. Vas-y, trouve-le. Plus je suis gardé, moins je suis protégé. Je y a un gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars, il a dit.
Il a dit une capote. Ça te fait rire? Ça me fait rire. Tu me le time out. Sortez-le. Sortez-le. Ah non, mais du coup, je me spoil aussi, quel con. Alors, c'est quoi? Il y a un gars, il a dit un gros P dans mon chat. J'avoue? Non, attends, c'est une vraie réponse là. On est d'accord que plus tu gardes tes paix, plus ça va être violent, non? Bah, non, mais plus t'as mal au bide, donc moins t'es protégé techniquement. Bah, moi je te dis, plus tu te retiens de péter, plus quand tu vas péter, ça va péter quoi. Non, et plus t'as mal au ventre, donc t'es pas protégé, t'es dans le mal, t'es mal. Ouais, c'est ça. C'est un gros P la réponse, il a raison, mettez-le bien, lui. C'est un gros P, mec. Bon, les gens, moi j'ai été spoil, c'était un secret, putain. C'était un secret. Mais un gros P, je trouve, c'est une réponse beaucoup plus pertinente. Ouais, je trouve aussi. Vous me le mettez VIP, celui-là. Y'a que toi qui peux les mettre VIP. Ah, merde. Alors. Touristos, là. Juin 2021, il a pris son ban en octobre 2021. Un an, presque deux ans après être arrivé. Il s'appelle le Réservoir. Attends, mais tu l'as déballé, le mec, ou pas? Déjà, je kiffe son pseudo et sa photo. J'adore. Ah non, l'autre, j'ai oublié, pardon. Allez, tcho les noobs, j'ai claqué mon prime chez Lox. Mais ça, c'est un Loclin et nous, on les bannit, les Loclins. Tu peux annuler. Ouais, 2020. 2020. Alors. Attends. Lui, je le connais. Donc, tu vois, je le connais. Mais non. Tu vois. Non, mais je connais pas IRL, mais je le connais, tu vois, genre, dû à sa toxicité infâme sur mon chat. Le réservoir ce... Ah ouais, lui, je le connais, frérot. Le lui, réservoir lui, de fame, du coup, il est connu, apparemment. Ah, mec, mais qu'est-ce qui spam, ce garçon? Qu'est-ce qui spam? Donc, vas-y, je te laisse lire. Alors. Reset! Arrière droit, réfléchissez! Il a pris son ban pendant 20 secondes. Arrière gauche égale reset. Gauche égale reset. Dinguerie, 19 cast-up chez Loclear. Oh, les Loclins, ils sont nombreux. Horrible à suivre, non? MDR. Poser des questions bien, non? Sortez-le, c'est quoi ce son pourri? What the fuck? Japon plus Acapella plus rhume. Jamais vu un truc aussi pourri, cake. MDR, la gueule. Il a pris son ban. Je comprends rien. C'était un ban direct. Non, mais je comprends rien. Il y a une ref. En gros, qu'est-ce qu'on a fait le 21 octobre 2021? On a dû jouer un truc. C'était en rapport avec le jeu, tu vois. Mais généralement, mais ce mec, MDR, il fait la que gueule. De backseat. Mais tu sais, il réacte à ton gameplay. Mais le 21 octobre, on a joué un truc. Je sais pas si c'était Roblox, j'en sais rien. Phasmophobia, je sais pas. Ah, on a dû faire un move... Ah, c'était incroyable talent. Donc, il s'est moqué d'un viewer. C'était ça. MDR, la gueule. Okay. Il s'est moqué d'un viewer. Voilà. Alors, bonjour, qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour, désolé pour mon comportement. Pour tout avouer, je comprends pas pourquoi je suis ban. J'ai sûrement dû être un fils de flûte. Merci, bon stream. Honnêtement, mec, ce gars-là... Peut-être qu'il va se calmer si on le débanne, mais ce gars-là, frérot, moi, je suis à deux doigts de le ban dev de ma chaîne aussi, donc... Allez, rejetez le réservoir de haine, il s'en va, c'est fini, c'est fini. Non mais, en fait, il casse les couilles dès que tu joues un jeu. Dès que tu joues un jeu, il raconte que de la merde. En fait, il te dit à gauche alors que c'est à droite. Il fait exprès de te dire à gauche alors que c'est à droite. Non, mais c'est horrible. Sortez-le. C'est horrible. Alors... ouais, c'est vieux. Putain, ça me fatigue de lire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comme lire, ça me fatigue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pur FTN, il a dit pathétique. C'est pas du stream hack, c'est du bootcamp hack. Du bootcamp hack. Du bootcamp hack. C'est quand tu regardes au-dessus de l'épaule d'un pote son écran. 2018. Et mais il a été pas en 2019. C'était pas le The Event ou un truc comme ça? Ah non, c'était en 2019. Il s'est fait ban en 2019. Mais c'est quoi du bootcamp? Attends, pourquoi il s'est fait ban pour FDP? Ouais, je crois que c'est inversé, mais je pense qu'il s'est fait ban pour FDP, ouais. Ok, ça doit être inversé, mais c'est bizarre, hein. Moi, je trouve ça bizarre, là, frérot. Parce que regarde, il y a écrit banni le 26-07-2019. Donc, c'est-à-dire qu'un an plus tard, le mec se fait ban alors qu'il y a un lit. C'est des bugs, il y a des bugs de AMPM, c'est des bugs. Ok, et il a mis FDP, donc je ne sais pas comment j'ai pu insulter une mère de la sorte, je m'excuse à la personne à qui j'ai envoyé ça. Après, je t'avoue, je m'en souviens plus. Sorry.
2019, mec. Oh, moi, franchement, moi, 2000... c'est bon. Ouais, ouais, c'est franchement, bon. Ça va. Ça va. Pour moi, c'est bon. Ça va. Ça va. Il est honnête. Alors, en retard. Est-ce que tu permets? Ouais, bien sûr, vas-y, honneur à toi. Alors là, on a Dofi, effectivement, qui a décidé de dire en retard. Vive, je sais pas, je vais pas le prononcer parce que je sais pas ce que ça veut dire. C'est KDB, c'est une association, c'est que du bonheur. Ok, pardon, je sais pas. Squeezie, baisse-moi. T'as mort, 5 secondes, hop là. Baisse-moi. Et là, il revient, fait baisse-moi, Squeezie. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Et là, il a été ban. Donc attends. Effectivement, hein, là on a un fan assez hardcore. On peut voir un fan. Mais en plus, il a pas d'excuse. On n'avait pas encore fait le live fanfiction. Il a pas d'excuse. Oh, bah si, il a une excuse. Il est fan hardcore. Moi, je pense pas que c'était le premier dog, Leclerc. Je pense que tu prends un peu trop au mot près là, ce qui se passe. Moi, je pense que les fans hardcore, ça existe, surtout depuis que je t'ai rencontré. Je tiens ensuite... à dire que je fais tout pour ne pas être actif dans ce chat. Mais je pense, vu mon charisme légendaire, je mérite d'être débanni. 2019, attends, frérot. D'où une défense, c'est je fais tout pour ne pas être actif dans ce chat. C'est pas genre une qualité, au contraire. Bah, en gros, c'est cool d'être actif dans un chat. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il s'est retenu, il n'arrive pas à se retenir autant. Tu vois, il est obligé de dire ce qu'il pense, tu vois. Mais est-ce qu'il n'a pas une testostérone genre archi élevée, tu vois? En vrai. Hein. Écoute, frérot, moi je trouve que ça fait 2019. Voilà. Il a peut-être un blème de testo, en vrai. Bah écoute, ouais, il faut peut-être qu'il fasse une prise de sang, peut-être. Bah, écoute, ok, bah, alors regarde ce qu'on fait. On dit, on annule. Bon retour, mais fais une petite prise de sang. Check ton niveau de testo. Là, il a 3 ans de plus, le mec. Il a 3 ans de plus, quand même. Faut pas oublier, hein. Tu vois, comme okay. Ça, au moins, je sais pas, non, mais fais tu gaffe, vois, on fais gaffe, quand tu cliques sur les 1h, ils sont pas modérés. Ok. Alors, Ryokun banni en 2019. Il y a un blème aussi avec les MP. Putain, mais c'est 3 ans, c'est des bans il y a longtemps. Si je recommence à y jouer, c'est 5 ans sans sortir. Oh, Leroy Jenkins, mec, c'est vieux. Ouais, moi, je déban direct, ça. Parce qu'il a dit, il a fait une ref à l'une des vidéos de WoW les plus connues du web. Non, et il a dit fuck Kotaï. Oh. Wow. Mais je crois que ton modo il a pas la ref. Ton modo qu'il a ban pour un fuck côté. Ouais, il a tout dit. Aïe. Ça j'avoue. Ouais, il a pas la ref. Oh là, attends, lui il était très. Mais c'est des vieux bans là. Ils sont allés voir loin. Waouh, les mecs ont été bannis en 2019. Non, mais attends. Laisse-moi, si je peux me permettre, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ils reviennent. Et c'est-à-dire que depuis 2019, t'as des anciens viewers qui reviennent et qui re-regardent ton stream. Et c'est plutôt correct. C'est vraiment cool de savoir que, t'as vu, ils sont pas partis, ils veulent quand même revenir. C'est vrai. Ou alors ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Déjà, on commence par l'excuse. Oulala, comment ça date? Débannez-moi, s'il vous plaît, les BG. Okay. Et en fait, il était présent et il a fait une glissade, tu sais, il a fait un tacle modo. Pourquoi il est pas là, Gotaga? Bah, les modos de merde, j'espère me faire ban. Et il a pris son ban dev du coup, puisque les modos, ils kiffent mettre bien les viewers. Mais mec, c'était à 3 ans, non, on peut pas. Vas-y, suivant. Roule. On vas-y. Roule. Oh. Vas-y, bye un coup. Alors, on a Homeman qui a dit « Vive Squeezie, on t'aime !» C'est quoi la musique? Please, c'est quoi la musique? Please, c'est quoi la musique? Please, GG, go, t'es ma salope à quatre pattes. Ok. Il a même pas été d'abord pour ça. Regardez la tolérance. Mais bordel, prends la clé, mais pas par là. Revois ton accent, non, jure, putain, je comprends rien, il comprend rien. T'as lui, tu es EST débile avec ta calvitie. Wow. Alors sache que je commence un petit peu à perdre les cheveux. Et maintenant je ne te charrierai plus Squeezie sur ta calvitie parce que effectivement je vais te rejoindre bientôt et je sais que c'est pas drôle. Voilà. À tous les gens qui ont des calvities, force à vous. Avec ta calvitie. Tu es débile avec ta calvitie. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon. J'ai dit ça sur le moment parce que Sir Squeezie faisait des moves extrêmement mauvais. Changer quoi. Mm-hmm. Il n'y avait aucune logique. Mm-hmm. On dit que moins on a de cheveux, plus on est intelligent. Apparemment, ce n'est pas son cas.
Ah, moi, je te bats direct, hein, ça. Mais, frérot, en man Ah, moi, je te bats 31, direct. il y a du backseat agressif, ok? Oui, on est d'accord. Ouais. Ensuite, il y a du t'es ma salope à quatre pattes. Ensuite, il y a du tu es EST. EST. Et ensuite, il y a le mot calvitie. Ça Ouais. fait beaucoup, 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 Ouais, je sais, mec, mais bon, 6 mois de ban, c'est correct pour ça, tu vois. Ah, en vrai, faut pas oublier, les mecs, s'ils reviennent et récidivent, on va même plus les revoir parce qu'ils vont se faire auto-trier par les modos. S'ils reviennent, tu vois, genre. Moi, je pars du principe où j'aime bien donner des chances quand même, tu Le vois. C-word, frérot. Je sais pas si tu te rends Ouais, je compte. sais. Non, non, Je sais, non, frérot. tu sais Je pas. sais. Non, non, tu sais pas. Non, hey, je sais maintenant. Je savais pas avant, mais je sais maintenant. J'ai une petite rivière, mec. J'ai appris que c'était le mot rivière, frérot. T'as une rivière? C'est quoi la rivière? Ah, tu sais pas ce que c'est? Non, c'est quoi? Bah, t'en as des deux côtés de la tête, toi. Moi, j'en ai. Pardon, je voulais pas que ça avance en frérot. Attends, attends. Attends, ok. Inspection de la calvasse, gros. Je viens tout de suite sur ton live, tu me montres. Inspection de la Vas-y. calvasse. Inspection. Comment ça, inspection à calvasse? Écoute, je suis inspecteur calvasse et Viens j'inspecte maintenir les la calvasses position. des streamers, Non, frérot. non, 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 Si, non, 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 si, non. Regarde, regarde, je te montre ce que c'est si, derrière, attends, d'accord? attends, attends, attends. Regarde, regarde. Attends, Donc tu vois attends, la airline, elle est supposée être genre droite, t'es d'accord, tu vois? attends. Là. Ok? Ouais. Et là, regarde bien, regarde bien. Regarde, Ici, regarde. j'ai une rivière qui commence à se créer ici, là. Tu vois? Ouais. Voilà. Alors, et toi, du coup, t'as les deux. Et moi, là, ça y est, ça commence, là, tu vois. Pourquoi t'as besoin de rappeler moi ce que j'ai? Non, je te dis juste parce que là, il y a un mec qui l'a dit. Pourquoi t'as besoin de, quand tu me parles de ta calvasse, pourquoi t'as besoin de me ramener à la mienne en disant qu'elle est pire? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi t'as besoin, quand tu montes ta rivière, de parler de mes rivières? Je vois ça comme une attaque personnelle. Mais arrêtez de vous taper là! C'est pas une attaque personnelle, je suis désolé, Squeezie. On parlait de ça et du coup, bah, j'y suis, quoi, tu vois. T'es où? Tu regrettes? Hein? Tu regrettes tous ces moments? Tous ces moments où tu Non. t'es moqué de moi? Non. Si tu veux, Non. je t'enverrai le lien d'un. Je t'enverrai le lien d'un mec qui fait des incantations. Pourquoi? Pour récupérer des cheveux? Pour récupérer des cheveux, ouais. Ça marche trop bien. Sérieusement? Ça marche trop bien, demande au Ça chat, ça marche existe? trop bien, Ça ouais, je te existe? jure, ouais, je te jure. Ça coûte genre Putain. entre 40 et 150 balles, selon combien de temps tu veux que tes cheveux repoussent. Ça marche de fou, mec. Ah ouais? Ouais? Ah, je suis chaud, je T'as suis chaud, je suis chaud. pas vu là T'es pas vu sur mon live là encore? Attends, je regarde. Attends, mec, c'est une dinguerie. Mais je sais pas si tu vas voir parce que j'ai fait le sort il y a pas longtemps, frérot. Vas-y, vas-y, fais voir. T'es prêt? Mec, fais gaffe, ça peut être Ouais. surprenant. Ça peut être surprenant, je te le dis Vas-y, direct. vas-y, je regarde, je suis sur ton live là. Et ça, c'est un Mais mois en full après. cam, mais en full cam, mais en full cam. Pardon. Ça, c'est un mois après seulement. Oh putain! Je peux voir sur la cascade ou pas? Bah, après, ça pousse, tu vois, il y a encore un peu des trous. Ça, c'est un mois seulement. Oh Je merde! te jure, et j'ai même pas pris l'option. Il y a une option à Comment 100 dollars. t'as pris l'option ou pas? Non, il y a une option 100 dollars où c'est des sorts toute ta life. Genre Et il pour peut le faire en avis, ligne, il y a il peut le vraiment faire en marqué ligne ou pas? avis. Attends, je vais te montrer le lien, je vais te montrer le lien, comme Mais ça tu attends, vois. il peut le faire en ligne. Ouais! Tu lui envoies ton Ah nom, ton ouais. prénom et tout, et il te le fait en ligne, je te jure, j'ai payé 50 euros, je te montre. Je vais te montrer le lien, Putain, bouge c'est pas. stylé. Mec, c'est incroyable. Vas-y, envoie le lien là. Attends, je le retrouve, bouge pas, bouge pas. Donc il pourra mettre Voilà, je genre un l'ai. barrage sur Tiens, ma regarde. rivière. Regarde, hop, ouais, exactement, il construit une digue sur ta rivière. C'est une loutre un peu le mec. Regarde. Donc Ah oui, ça, tu vois, casse-fraise, du ça c'est un mec qui a pris l'option, full option,
sur un an. Wow. Ouais, et moi, tu vois, ça commence, hein. Moi, tu vois, j'ai la petite mèche, tout, ça commence. Et donc, quand tu payes... Excuse-moi. DMC. Vas-y, vas-y, vas-y. Et regarde, on est plus de 50 à lui avoir mis 5 étoiles et c'est une dinguerie. Entièrement remboursable, il a dit ? Non. Remboursé, non. C'est remboursé ou... C'est garanti ou remboursé ? Non. Non ? Non, non, c'est garanti. 100% genuine from real clients. C'est garanti et bail. Garanti et bail. Putain ! Et en fait, regarde, quand t'achètes, tu peux prendre en premium pour que ce soit extra strong. Oh, moi, je prends le premium, ça, direct. Ça coûte 75 balles, ok ? Attention au leak. Ouais. Non, non, ouais, les graines. C'est bon, j'ai un leak. Merci. Et en fait, ensuite, t'as des options. Et ça, tu vois, c'est une option à vie. Donc, hop, 94 euros. Tu vois, à vie. Et à vie, tu peux choisir. À vie, j'ai les cheveux qui poussent. Si, 13, genre 7, 6, 4 vies. Tu sais, on a tous 9 vies. Si, 13, plus ou moins de vies, tu choisis, tu vois, pour tes 5 vies prochaines, par exemple. Moi, je respawn mes 20. Non, c'est 9 max. T'es à combien ? C'est à combien de vie, toi, là ? Bon, je sais pas, 40e, là. Vas-y, go. J'ai respawn plein de fois. On a 9 vies comme les chats. Bon, toi franchement, vu comme t'es idiot, tu dois être au début, il doit te rester les 8 autres, je pense. Voilà, donc là, hop, pour tes 8 autres vies, tu t'assures des cheveux. Donc okay. Là, je dois 1000 euros le mec là. Ouais, mais par contre, t'as des cheveux pour 8 vies. Et aussi, il peut retirer de ton ADN. Pour 23 euros, c'est pas cher, il touche à ton ADN et il te retire les gènes responsables de ta perte de cheveux. Tu sais, c'est certains gènes. Oh, j'aime bien cette option. Ensuite, il peut faire en sorte que ta pousse de cheveux soit plus rapide. Comme ça, tu peux plus vite passer d'une période cheveux courts à une période cheveux longs. Donc okay. Ça, pareil, tu vois, si tu veux qu'il... Oh, bah, c'est confortable. Donc ça, c'est un multiplicateur, tu vois, genre il repousse 2 fois, 6 fois, 10 fois plus vite, 15 fois plus vite, 20 fois plus vite. Tu peux aller jusqu'à 20 fois, moi, on va mettre 20 fois, ok. Et ça booste les cellules de vie de tes cheveux pour qu'ils soient plus vénères. Donc si tu mets tous les multiplicateurs à fond, combien okay, je dois... Hop, tout à fond, clac, livraison rapide évidemment, c'est que 2189 euros. Seulement pour que tout repousse. Donc tu vois, c'est la moitié du prix d'une vraie greffe. Mais là, il le fait à distance, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas l'œdème, tout ça. À distance, c'est Covid-friendly en plus, non mais c'est incroyable. Ouais, ça glisse, je te jure, c'est un truc incroyable. De fou. Tu me donneras le lien, je vais faire ça immédiatement. Ok, je t'envoie le lien, frérot. Je t'envoie le lien, je te l'envoie tout de suite. Et en plus, toi, t'es témoin, toi, genre là... Parce qu'effectivement, là, tes cheveux, ils sont incroyables, là, frérot. Bah, je sais, mec, je sais. C'est un truc de ouf, hein. Et regarde, même sous la casquette, tout, c'est une dinguerie. Je suis stupéfait. Et ouais, je te jure. Et ils sont solides, et Google tout, Doc, ils sont bien, là, frérot. Il y a un Google Doc. Ouais, c'était ma vidéo Fiverr, t'inquiète, tout va bien. Tu peux la dégager, s'il te plaît. Voilà. Donc, n'hésite pas. Merci. Donc voilà, pour la remarque sur la calvitie, bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, lui, tu vois Bah écoute, moi j'annule, hein. Moi j'annule. Ok, bah toi... Parce que, non, mais grâce à lui, on a eu cette discussion, et grâce à lui, je vais avoir les mêmes cheveux que toi, frérot. Ok, vas-y. J'avoue, c'est grâce à lui, Et ça, je lui en remercie. Alors... C'était le script. C'est la voilà. Ok. Mais bonjour chérie, bonjour, ça va bébé chérie? Je sais que tu sais le faire. Wow, quel talent, comment fais-tu pour bouger si vite? Que tu es fort. EST. Chérie. Et il a pris un ban, hein. Wow. Je trouve ça sévère. Très sévère. Est-ce qu'on peut consulter le modérateur ou pas? On peut l'avoir en vocal? Non, c'est bon, c'est pas grave. Bonjour, je m'excuse. J'ai pas envie là, les modos, laisse-les tranquilles. Toi, tu les attrapes par la veste, tu les soulèves contre le mur. Ça, c'est les techniques de management de la Locklear Industries, les gars, elles sont à revoir. Le renforcement musculaire. Je m'excuse de ce que j'avais fait, c'était un simple prank en ami. Ah, il parlait peut-être pas à quelqu'un d'autre aussi. Ça, en fait, c'est ça qu'on sait pas, si ça se trouve, il parlait à quelqu'un d'autre. Tu vois? Bah, dans tous les cas, peut-être que c'était une conversation où il après j'ai l'impression que dans ces messages, il est pas spécialement pertinent. Moi, je pense que t'as beaucoup de gens qui font ça pour tester les modérateurs. Je commence à voir, plus on fait de tribunal, plus tu remarques qu'il y a des gens qui testent les modérateurs. Pas con, c'est vrai ça. Pas con. Et du coup, là, tu vois, il a testé. Bon, il a même fait un at everyone, hein, sur Twitch quand même. C'était un simple prank.
Ok, vas-y. Tu... C'était un simple prank en ami. On lui dit juste, je pense, on lui dit juste d'arrêter les blagues. Je pense qu'il est mauvais aux blagues. Non, tu sais quoi ? Arrête les pranks et pas, welcome roule, back. Roule ta tête sur le clavier là. Réponds-lui en roulant ta tête sur le clavier. Vas-y, vas-y. Glic, 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 voilà, comme ça, comme ça. Voilà. Pas mal. Voilà. Voilà, comme ça il sait. Voilà. Ok. 1m80, 15 ans, perdu 5 kilos depuis Noël et maintenant bloqué vers les 50 kilos. Hyper lax avec un corps de stégosaure, j'aime la vie. Mais alors on n'est pas sur Fruits frérot, je sais pas ce que tu fous. Le marinage, je sais pas ce que tu fous hein, mais... Bon, le saucisson de basse campagne est réputé pour être plus savoureux le dimanche midi dans la région PACA lors d'un solstice d'hiver le 8 août d'une année bissextile, sachez-le. Il a pris alors ses là. 300 secondes, puis son ban, un peu mérité. Ah bon ? Bah ouais, parce que comment dire, c'est des messages qui sont hors sujet de fou, qui servent à rien. Alors enfin, je suis d'accord que le gars il raconte sa life et tout, mais bon, quand même. Quand mais même. Moi ce que je trouve c'est qu'il il était bien là, et puis d'un coup, Fruits, et d'un coup, anecdote, je comprends pas en fait son évolution. Mais moi je suis content de savoir que le saucisson de basse campagne est réputé pour être le plus savoureux le dimanche midi là. Bah pas moi, pas moi. Pas moi. Ok, qu'est-ce qu'il... Ok, je vais lire sa défense parce que sinon tu vas bailler. Fais juste défiler la petite, le petit truc que je puisse lire, s'il te plaît. Alors, je ne suis vraiment pas du genre à étaler ma culture ni à me vanter. Et contrairement à ce que l'on peut voir, je ne recherche pas d'attention particulière. Le jeudi, soir est un timing assez complexe pour moi, si bien que je ne suis... que je ne puis être là souvent. Hein? J'aimerais par la présente être débanni afin de profiter pleinement du chat. De plus, si vous pouviez expliquer clairement la raison de ce bannissement, point d'interrogation, PS, en vrai, c'est grave bon le saucisson, non ? Oh. Alors, désolé frérot, je t'ai pas aidé de la manière dont je l'ai lu hein, pour le déban. Je suis sûr qu'il parle comme ça, je le banne. Mais, oui, ok, 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 mais tu vois, il sait ce qu'il a fait, s'il reparle du saucisson, c'est qu'il sait que, bon... Bah, il sait que, genre, ok, frérot, il est hors sujet, qu'il a raconté... En fait, si tout le monde se met à faire ce qu'il fait, le chat n'a plus aucun sens, ça c'est sûr. Moi, j'ai une question, comment il peut autant aimer le saucisson et pourtant avoir perdu 5 kilos depuis Noël ? Et pourtant, ouais... Comment c'est possible ? Ça veut dire qu'il a arrêté le saucisson ? Non, il est peut-être comme nous, frérot. Il prend pas de poids. Ok. Ok. Et en plus, à 15 ans, frérot, crois-moi, il doit les brûler. Hein, parce que à 15 ans, 1m80, frérot, et 50 kilos, 1m80, 50 kilos, frérot, c'est... Waouh. C'est assez faible. Mais après, à 15 ans, c'est normal. Tu t'as grandi trop vite. Ok. Takam, c'est chiant. On voit pas la map. Pourquoi ? Là, il y a une petite discu. Ah, d'accord, pardon. Ouais, non, j'avoue, ta cam, c'est chiant. Tu veux pas la désactiver, frérot ? Okay. Franchement, Squeezie. Ok, ok, ok. Squeezie, désactive ta cam. Ok, ok. Hey, arrête de parler, Squeezie. C'est bon, j'ai désactivé, merde ! Arrête de parler, Squeezie. Ok ? Hey, arrête de jouer, Squeezie. Hey, joue un autre jeu, Squeezie. Squeezie ! Hey, Squeezie ! Ton comportement est inadmissible, Squeezie. Tais-toi ! Rien, j'ai invité un mec du chat. Je joue aussi moi en live. Je suis en live aussi. Je suis en live, lol, comme toi, mon ref. Ah, ça tue. C'est trop cool d'arriver de faire. Je suis en live, lol, comme toi, mon ref. Je t'aime, je suis en live aussi. Je live sur LOL aussi. Je suis contre Squeezie. Cœur, cœur, je live cœur. Aussi. J'étais stream avec Squeezie. J'étais contre lui réellement, pardon maître. Oh putain, il est ouf lui. Alors là, on a un mec qui fait sa pub et qui assume totalement. Attends, mais lui là, il fait sa pub et en plus dans sa pub il dit qu'il me streamac. On est où là? Alors sache que dans la VOD tu ne seras pas apparent. Là tu as de la chance mon vieux. Allez sors-le vite, sors-le vite. Je le sors vraiment? Ah bah mec, c'est bon. Est-ce qu'il a dit autre chose que ça, frérot? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bon. c'est vrai. Mec, la pub, c'est relou, genre, c'est relou. Genre, c'est vrai que la pub, c'est relou. En plus, il a eu plein de chances, tu vois, genre les modos, ils lui ont laissé 1000 chances, le gars, il a abusé, du coup, il a mis un ban direct, quoi. En vrai, ouais, non, c'est quand même, c'est mérité, c'est bon, c'est relou. Les pubs et tout, c'est vraiment c'est infâme, trop relou. Après, c'est vraiment ça. Le pire truc, c'est relou. Mais où est le live? Yo! C'est ça, moi ou l'émission live, 20h. Pu. 20h, t'avais pas lancé. Ça... Mère, mère. Oh 19-06, on avait quoi ? 19-06, 2006. Mère, mère, mère.
Qu'est-ce qu'on a dit pour autant l'énerver le 19-06 que... C'était quoi? On a fait quoi comme émission le 19? Attends, 19-06. Ah, c'était le Asus BK Show. Il est des bannes. Attends. Il est des bannes. Non, t'inquiète, c'est bon, il est des bannes. Bienvenue mon frérot, bienvenue, welcome back. Amuse-toi bien, bien joué mon frérot. Ok, alors, suivant. Tyson Ruben, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis ban, j'en ai marre. J'étais ban top seconde, je suis ban. Ok, donc j'ai envie de pleurer, je suis ban. Ah non, mais attends, il croyait qu'il était ban, mais il l'était pas. Regarde. Non, il faisait des tests. Ça marque. Votre comment nap s'était envoyé à cause de problèmes. Ça me dit que je suis ban. On verra, je suis ban. Il prend 600 secondes. Je peux parler? Je suis encore ban? Je suis en ban. J'en ai marre. J'étais ban top trop de secondes. 600 secondes. Je suis ban? Mais il est parano du ban, lui, Tyson. Non, calme-toi. Il bait. Non, je crois pas, mec. Il bait, en gros. Quand t'es ban, tu peux pas écrire. Il teste. Il teste, en fait. Il faisait des tests. Quand t'es ban, tu peux plus écrire maintenant. Après, c'était en 2021. Est-ce qu'il y avait déjà cette fonction? Les gars, quand vous prenez un timeout, est-ce que vous pouvez quand même écrire et après Twitch vous laisse envoyer le message et après vous écrivez votre message d'après être envoyé? C'est un gars, il fait des cauchemars où il est ban et tout, il est malheureux de ça et toi tu veux le dégager. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Il dit désolé, je m'en excuse sincèrement. Désolé d'avoir embêté l'expérience du live des autres personnes, désolé. Il a l'air jeune en plus. Non, lui c'est une nouvelle chance. C'est bon. Tu n'étais. Pas ban. Bah non, mais du coup, mec, il l'a été. Non, mais il a mis un what face, frérot, genre. Non, écris pas ça, il va croire que... Non, écris pas ça. Juste débanne-le, c'est bon. Il va recommencer, hein. Et là, tu es ban, on va voir. Ok. Ah non, il a littéralement, il va littéralement recommencer. On va voir s'il apprend de ses erreurs. Squeezie vs Sasageyo, oui, c'est un coup dur pour Squeezie. 4 minutes, 9 vitesse 5 à 3, 2, 1, 0. Oh non, Squeezie, c'est pas drôle. OMG, les viewers, oui. Alors. Ce que tu viens de lire, c'était quand qu'on voit la différence de date? C'était le 1er avril. 1er avril, et après, il revient le 1er septembre. Donc lui, il vient que le 1er, tu vois. Il vient que le 1er de chaque mois, c'est il ouf. Il est ponctuel, hein. Et pourquoi et là, d'un coup il vient, il dit NTM, pourquoi? Et alors il s'est fait automode, hein. Son message n'est pas passé dans le chat. Et après, il est revenu le lendemain, il a remis avec des espaces. Avec les espaces, c'est passé malheureusement. Dites au modérateur pourquoi vous devriez être autorisé à revenir sur le chat, c'est ça qu'il fallait mettre? Il a copié-collé le truc quand t'es ban. Mais attends, il troll ou il est vraiment gigabête? Je suis désolé frérot. Il troll. Il a copié-collé le truc de quand tu fais ta demande de déban. Tu sais? Quand t'es ban, tu peux faire une demande de déban. Mais pourquoi il était bien dans l'ambiance des lives et tout? Il s'était fait des potes dans le chat, tout allait bien. Déban-le. Et d'un coup, il. Non, bah non, il est venu, il a dit NTM, pourquoi? Pourquoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon niveau de jeu, il en pouvait plus. Moi, je pense, frérot, qu'il a passé une sale journée, frérot, et il voulait se faire ban. Et voilà, encore, l'argument de la sale journée. Bah ouais, frérot, bah ouais. Bah, mec, le problème, c'est qu'on se répète, mais c'est la vérité, mec. Il y a des gens, gros, ils l'ont pas aussi bien que nous, Squeezie. Et ça, c'est clair et net, hein, frérot, hein, ça, c'est clair et net. Moi, tu vois, je te dis, c'est un truc, je te l'ai déjà dit, je crois. Mais moi, j'ai fait ça, frérot. Moi, je l'ai déjà fait, ça. Moi, je me suis déjà fait ban de plein de chats Twitch en 2012-2011. J'arrivais sur les chats Twitch, j'étais malheureux à cette époque-là, frérot. Et mec, j'arrivais sur les chats Twitch et franchement, j'étais giga toxique. T'étais ce gars-là? À l'époque, réponds à une question simple. Est-ce qu'à l'époque, tu serais venu sur mon chat et t'aurais mis NTM Squeezie? 100%. Et ben, tu sais ce que j'aurais fait? En 2011-2012, avant de te rencontrer, 100%. Et tu sais pourquoi, mec? Parce que le préjugé que j'avais en 2011-2012, l'élitiste de merde, arrogant que j'étais, frérot, j'étais en mode, c'est qui ce gamin? Tu vois? Il n'y avait pas ta place pour moi, tu n'avais pas ta place, tu vois. Et ça, c'était en 2011-2012. J'étais un connard, j'étais un vieux rageux, voilà, j'étais jaloux de tout le monde, frérot, et c'était comme ça. C'est comme ça, et je l'admets, hein. J'ai changé aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends un petit peu plus les gens, tu vois, gigatoxiques. Mais attends, c'était en septembre, frérot, là, ça fait genre ça fait six mois.
C'est vénère de venir et d'insulter comme ça. C'est vraiment genre, t'as aucune excuse, mec. Ça dégage. T'as pas d'excuse pour faire ça. T'as pas d'excuse. Oui, elle a passé une mauvaise journée. Non, t'as pas d'excuse. T'as pas d'excuse. Ça il s'est excusé sens. Ou pas? Il s'est excusé, j'ai pas vu. Non, il a fait son troll. Il faut écrire. Ah un oui, truc oui, ici. Ok. Ça, ok, je te l'accorde. Je te l'accorde. Bah ouais, les gars, c'est pas possible. Il s'est pas ça. Excusé. C'est pas excusé. Non, mais en vrai, c'est pas possible. Alors. Y a pas de modo, bah cool, vos mamans les gentils les modos. Yo, les modos font-ils du bon travail? Modo, ok. Ah mais lui c'est le flic des modos quoi. Lui, il s'est... Attends. C'est le modo attends. Des modos mec. Est-ce que je peux me permettre? Tu sais qu'il y a une guerre. Dans tous les lives, il y a une guerre en fait. Pour les... Il y a une guerre entre les modérateurs et les viewers. Tu sais ça ou pas? Il y a toujours cette petite espèce de guerre, tu vois. Cette petite guerre interne où, bah, tu vois, les gens veulent tester un petit peu les modos. Les gens, bah, parfois, se font time out sans trop vouloir faire exprès de se faire time out. Et du coup, il y a cette espèce de rivalité qui, avec certaines personnes, tu vois, très présentes dans le chat. Rapport très, au fait que certains n'aiment pas l'autorité, c'est ça? Un petit peu, mais après, attention, il y a aussi des modérateurs qui aiment l'autorité. Et ça aussi, il faut le voir, ce côté-là. Pas tu mal, pas mal. L'argument, j'aime bien. Bon, en tout cas, tout va bien. Il veut apparemment que je lui pète le cul. qui peut me faire une dédicace? Je sais pas ce qu'il dit. Attends. C'était hors live sûrement ça. Regarde la date. Non. Si, c'était. 6 janvier. Le 6-01. 6 janvier 2022. Attends, c'était un quoi? C'était un quoi? Je regarde. Je regarde le 6, c'était jeudi. À 21h. Mais t'avais peut-être annulé, frérot. Ben non, je crois pas, mec. Hein. Bon, bref. Si t'avais annulé en janvier, t'avais il annulé. Il part en vrille. Non, c'était Koh-Lanta. On était en live sur Koh-Lanta Roblox. Il part en vrille. Ah bon? Qui m'a ban? Le modo qui m'a ban, t'es un gros FDP. Okay. Donc, tu vois, on note ce problème à l'autorité. Dès le début, il était là. Il aime pas cette autorité. Là, lui, il a cherché. Hein. Lui, voyons a cherché ses excuses. Question pour un champion. Qui s'est fait ban il y a un mois? C'est moi, MDR. Bon, parlons sérieusement. Est-ce que je pourrais être déban parce que j'ai insulté une personne et moi je porte mes couilles, mon pote? C'est moi-même, pas mon petit frère, je sais pas quoi là, mais débannissez-moi. Bon, dégage-le lui, je veux pas l'entendre. Dégage-le, je veux pas l'entendre, il m'a saoulé. Dégage-le lui. Mais lui, il a un énorme problème. Dégage-le lui, souci. Il m'a saoulé. Il est auto-monté dans les tours, il s'est embrouillé avec lui-même. Il s'est collé contre un mur lui-même, c'est ouf. Non mais c'est ouf, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais, c'est le mec qui tape dans le mur là. Mais oui. Il s'est vénère contre un miroir, mec. Je pourrais être déban parce que j'ai insulté une personne. Et moi, je porte mes couilles, mon pote. C'est moi. Même pas mon petit frère, je sais pas quoi là. Tu sais, allez. Il sort celui-là. Vous me le sortez. Ah, il savait qu'on allait dire. Il savait. La seule personne qu'on suce, c'est ta mère, Rel Flores. Ah, il a dû répondre à quelqu'un dans le chat, tu sais. Attends, du coup t'as défendu, frérot? Parce que imagine, il y a un gars, il a dit je sais pas qui ou suceur, tu vois, parce que quelqu'un a dû faire un compliment. Et là, il a peut-être défendu, frérot, non? Vas-y, je sais pas. Attends, bonjour, cher modérateur, je m'excuse de mon comportement. Ça visait pas Squeezie, mais une personne qui a insulté le GOAT de YouTube. Cela m'a frustré et par mon manque de neurones, je l'ai insulté. Mais bien joué, inspecteur Leclerc. Tirez donc sur votre pipe après avoir résolu une enquête si facilement. Eh, on est où là, monsieur? On est où? Waouh! L'expérience, on a l'expérience ici. Incroyable! Je lèche. Mais comment il vient juste pour dire ça? Comment c'est possible? Je suis désolé, je me suis mal comporté, mais ce live, j'avais un brin de folie, je m'en excuse encore les modos. J'avais un brin de folie! Eh les gars, je suis trop un fou, je suis allé dans un chat Twitch, j'ai marqué je lèche des tubs. Ouais bah ouais, mec, c'est, après, pas. C'est quoi ça, mec? Ouais. Oh là là. Je te l'ai jugé frérot, parce que bon. Un brin de folie. Moi j'aime bien les mecs qui ont des brins de folie. Après c'est son seul commentaire, frérot, c'est son seul commentaire. Frérot, je sais pas. Son message, il a même pas été publié, son message, parce que l'automode de Twitch l'a filtré. Donc bon. Après, peut-être c'est sa première fois sur Twitch et il arrive et il se dit, vas-y, je vais marquer une dinguerie, haha, c'est drôle. Tu vois en vrai. Mais c'est 100%, c'est ça, frérot. Parce que tu sais, tu ramènes beaucoup de nouveaux sur Twitch et t'as des gens, ils arrivent, frérot, ils savent pas comment un chat marche, etc. Et du coup, il y en a. C'est pour ça que toi, dans tes débans, t'as beaucoup de gens qui testent.
T'as beaucoup, beaucoup de gens parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Parce que tu ramènes beaucoup de nouvelles personnes de YouTube. Donc ils savent pas trop, tu vois. Pour lui, faut qu'on lui envoie un message sympa, faut qu'on lui dise un vrai truc, tu vois. Genre, regarde. Salut, Oreo à la crème. Ici, on est sur Twitch. Ouais, ouais. Tu peux discuter avec les autres personnes. Oh, c'est... Oh, quelle bienveillance. Dans le chat. Et oui, on lui tend la main, on lui tend la main, Oreo à la crème. C'est beau, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Continue, continue. Dans le chat. Mais inutile d'envoyer ce genre de message. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un test ou d'une moquerie. Oh, c'est si beau, c'est si bienveillant, j'adore. Continue. Mais je te prie, dorénavant, d'adopter un comportement approprié. T'as écrit une. Attends. Ah, dommage. Bon, bah, je le banne. C'est mort. c'est mort. Non, c'est, non c'est mort, c'est mort. C'était trop bon. Ok. D'adopter un comportement approprié. Oui. J'espère bientôt te retrouver parmi les squeezos du chat. Oh, c'est beau. Du chat. Et je te souhaite d'agréables moments en ma ou notre compagnie. Oh, c'est si beau. Bisous. C'est si beau. Hey, les gars. Il a un... C'est... Ah, quel honneur de recevoir un tel truc. Franchement, hey, c'est pas... C'est la première fois. Hein. C'est la première fois qu'il écrit un tel truc. Mais je te pire dorénavant d'adopter. Ah, c'est mort. J'ai raté. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Vas-y. Ok, très bien. Hey, les gars. Magnifique. On l'a régalé, lui. Ça, c'est du dévouement envers ses viewers. Ça, c'est du dévouement. Oh là! Hey yo, bitch! Suck my dick! Lui, il sortait d'un album de, tu sais, de Snoop Dogg. Bonjour ou bonsoir à quiconque lira ceci. Je m'excuse du message que j'ai mis dans le chat. Il s'agit des paroles de cette musique. Je n'ai pas pensé au fait que cela pouvait être banni. Cela faisait un moment que j'essayais de sub pour voir les VOD, mais j'obtenais un message d'erreur. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Bonne journée, soirée. Ouais. Bonjour, Teen Bull. Oh non, tu veux pas copier-coller le même en truc effet, hein. En effet, certaines musiques restent... En effet, certaines musiques restent en tête. Mm-hmm. En revanche, nous aimerions qu'elles restent... La bienveillance est là. En tête. Le chat est fait... pour avoir de beaux échanges avec les autres membres de cette magnifique communauté. J'espère... J'en peux plus. J'espère te retrouver bientôt parmi nous. Oh là là, t'imagines... Imaginez un streamer, les gars, qui salutations écrit comme ça à tous les gens du Bani. Team Bull. Salutations distinguées, Team Bull. Salutations distinguées. Alors... Team Bull. Toux. Waouh, il est chaud. Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh, il est chaud. Pourquoi Macron, il est si casse-couille? Hop là, petit avis politique entre deux messages. Allez, l'argent MDR. Macron est une crotte et elle se situe dans les toilettes de Dwagbiche. Mais il est fou, lui. Le pauvre Dwagbiche, putain, il en prend à chaque fois plein dans la gueule. Elle se situe dans les toilettes. C'est quoi cette insulte, mec? Dwagbiche. Lucas, t'es nul! C'est bien, il est bien intégré. Il est bien intégré dans mon chat pour dire il ça. Il est bien intégré. Nul! Qui a gagné? Waouh, il est chaud! Non, je rigole, c'est une blague. Dans une blague. Il a tenté un truc méta. Il y a des collants pour le meuf ici? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je comprends pas. Ah, parce que c'était Koh-Lanta peut-être, non? Ah, donc c'est ça son jeu de mots? Ah ouais. Ah, ok. Qui peut m'offrir un sub? Ban 300 secondes. Puis 600 secondes. Demande de sub interdite, désabonnez-vous. C'est payant. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Désabonnez-vous au squeeze sur Insta et allez check arrobase machin sur Insta. Oh. Alors c'est lui qui a écrit arrobase machin. Ce jour-là, ça a pas été censuré. Ce jour-là, je passais une bonne journée et je me lève et je vois que sur Insta, j'ai perdu 600 000 abonnés, mec. Et c'était à cause de Twoox. J'ai jamais compris, ouais, c'était à cause de Twoox. T'avais jamais compris pourquoi? Non. Je pensais que c'était un bug et tout, ça tout correspond. Tout fait du lien là.
Donc c'est de sa faute que t'as perdu 600 000. Putain, c'était lui. Alors attends, c'est compliqué. Sortez les violons. Une musique triste, log. Vite, une musique triste. Vite. Attends. Une musique triste. Vite. Ça y est, ça arrive. Ça arrive. Vas-y. C'est tu entends? Non, j'entends pas. Non, ça arrive là dans 2 secondes. C'est compliqué de demander pardon. C'est un geste délicat, en équilibre entre raideur orgueilleuse et contribution larmoyante. Et si l'on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre en toute honnêteté, toutes les excuses paraissent fausses et creuses. Désolé, j'étais excité par les vacances. Je ne recommencerai plus. Oh yeah. Oh. Locke? Ouais, allô? Ouais. T'allais faire un petit rap? Ouais. Vas-y. Vas-y. Locke? Ouais. Tout va bien? Ouais, nickel, y a un peu je me suis fait engueuler par Louis là, la flûte Titanic, c'était DMCA. Je sais, c'est pour ça que j'ai coupé très vite. Bon, ça va, c'est 5 secondes, ça passe. Ah ouais, non, ça passe pas. Bon. Merci d'avoir suivi le live, les gars, c'est le dernier jeudi avant 2 semaines. on le débat, lui, ça arrive, une petite impulsion toxique, il est là depuis un moment, ouais. Ça arrive. Ça m'a dérangé qu'il nique un vrai truc Instagram, mais là, vraiment, t'as vu, il cherchait juste la bête. Ouais, ça arrive. Il n'a même pas mis un truc Instagram. Alors, oula. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, donc il a dit Zizi, après il a dit Gros Chibre, ok. Ensuite, il a dit « Bonjour, je ne voulais pas écrire cela, je ne suis pas méchant, je ne m'ennuyais juste. » Ah bah, sympa, hein, ton live est musique, attends, musique triste. Musique triste. Bah, mets ta musique triste. Mets la DMCA, c'est bon, c'est 5 secondes, c'est bon. Attends, ok. Depuis la crise du Covid, la vie sociale inexistante en confinement est insoutenable. Je n'arrive désormais plus à me contrôler, mais je te demande avec un espoir de me débannir afin de retrouver un semblant de convivialité avec le chat. Merci de ton chat, de ton choix. Quel qu'il soit. Zizi, Gros Chibre. Merci. C'est bon. C'est sûr, ta petite signature, ça. Mati Clou, tout d'abord, bravo pour ce speech. Donnez-lui un Oscar. Allez, c'est bon, il a gagné. Allez. Tu te rends compte qu'il a plus écrit dans son truc pour se faire des bans que dans les messages de chat. En fait, ça me fait de la peine, les gars. Ça me fait de la peine parce qu'en fait, vous prenez plus d'efforts à écrire un truc pour que Squeezie voit votre message que d'écrire correctement dans le chat. C'est ça le problème aussi avec vous, les gars. Il y en a, ils font vraiment exprès. Hein. Ils font vraiment tous exprès d'être ban. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Salut, Mati Clou. J'aimerais que tes messages envoyés dans le chat soient aussi pertinents que ta demande de déban. Je compte sur toi pour faire des efforts. Je t'ai à l'œil, avec bienveillance, parce que je suis Squeezie, évidemment. Signé Squeezie. Salutations distinguées, Squeezie. Squeezie. Allez, j'envoie la petite demande de déban. je suis sûr quand tu penses à un truc, t'as cette voix en tête, Locke. Je suis sûr que c'est ta vraie voix quand tu penses à un truc. Que dalle, viens, on parle pas de ça. Alors, D, B, B, point d'exclamation son, point d'exclamation onyx, C, sale pute. Oh les gars, comment ils vrillent, putain, comment ils vrillent. Genre vraiment, ça n'a pas de sens. Hein. Mais attends avant de lire la plaidoirie, je tiens quand même à féliciter Azerius qui jusque-là a fait quasiment l'intégralité des débats. Mais Azerius, c'est vrai, Modo of the Year. Modo of the Year, sans déconner. Alors, Azerius. Incroyable. C'est les modos, mais là, j'ai déjà à vous lire. Employé du mois de la Squeeze Industries. Ouais, là, les modos, c'est bien, je suis fier de vous. Bonsoir, l'équipe de modération. Je regrette amèrement mes erreurs et je souhaite que vous pardonnerez mon erreur. Erreur de conjugaison, c'est terminé. Le suivant. Hey, yo,
What the fuck, y'a Fuse ? Rip Lucas. 600 000 ? Oh ! Il leak le salaire de Locklear, c'est pour ça qu'il a été ban ? Non ! Oh ! Non ! C'est pour ça qu'il a été ban ! Mais je suis pauvre, que 600 000 par mois ! C'est quand que tu nous présentes Squeezette Solobva ? Ah, le Solob, il est masterclass ! Solobva ! Solob. Bon, salut, ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur les lives de Squeezie. Donc, quelle fut ma surprise en découvrant que je suis banni ? Mais surtout en voyant les messages, je pense que c'est mérité. Je vais pas souvent sur Twitch en général, à part sur les gros lives comme les events, donc ça me dérange pas vraiment de rester banni, mais ce serait quand même cool d'être débanni pour voir le chat. À vous de voir, bonne soirée. À vous de voir, à vous de voir. Il est beaucoup trop pisse. Il est beaucoup trop pisse. Vas-y, vas-y. Hein. Bon. Ouais, vas-y. Oh non, ça y est. On y retourne. Salut Salem. Malgré le fait que tu ne sois pas souvent sur les lives, Virgule, j'ai envie de te donner une seconde chance. Ouais. J'espère te voir plus souvent parmi Virgule. Cela me réchaufferait le cœur. Tu sais, parce que je suis Squeezie. Je te souhaite le meilleur. Oui, c'est moi, Squeezie, c'est mon meilleur. Salutations agréables. Signé Squeezie, alias Lucas. Salut, joyeux anniversaire, le meilleur youtubeur. Wesh, salut, niquez vos mères. Alors, je précise que là, on a quand même 2 mois qui sont passés entre le salut. J'ai l'impression que cet homme, laissez-moi vous dire, j'ai l'impression que cet homme n'a pas eu beaucoup de réponses. Voilà, je pense que cet homme est très fâché. Il arrive le 29 novembre 2018 pour dire ouais, salut. C'est vrai. Répond. Il arrive le 27-01 pour dire joyeux anniversaire. Personne lui répond. C'est vrai, il arrive quoi, les gars en février. Il dit wesh. Personne lui répond. Il arrive ensuite en avril. Personne lui répond son les salut. Les gars, Chad, vous n'avez pas honte, honte. Et là, il arrive en juin pour niquer des mères. Les gars, moi, ce que je vois, c'est que je ne connais pas personnellement Il met de la terreur, mais je pense que ces 2 mois ont été une épreuve difficile pour lui. Il a fait des cauchemars. Il a traversé une période douloureuse, il a vécu des choses douloureuses et ce message si présent le montre bien. Je pense que nous devons envoyer de l'amour à Il met de la terreur. Ouais, je me rappelle même pas avoir dit ça, j'aimerais rester au live du meilleur youtubeur. Tous les jeudis. Il s'est levé en pleine nuit et il a explosé d'un coup comme ça. Bon retour parmi nous, Il met de la terreur. Simple, efficace. Le pauvre, je suis sûr qu'il a vécu des trucs durs. Il a vécu des trucs durs, c'est sûr. Il a vécu des trucs durs, c'est sûr. Il s'en souvient même pas. Wow! GG! FGH! GG! FGG! GG! GG! CFC! GG! FGF! Yo! Yo! YOLO! LOLO! 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 GBB! CF! GBB! CFT! JBB! CC! GHHV! Mais qu'est-ce qu'il fout? Cheetos! Cheetos! La sortie! Oh! Cheetos la sortie! Cheetos en personne la sortie! Aïe aïe aïe! Désolé pour ces commentaires bizarres, mais moi, je me sais quoi. Je pense que j'ai dû craquer, sinon j'étais mon téléphone avec le pouce sur l'écran et ça a tapé tout seul. I don't know. Ah, menteur. Ah, arrête, menteur. Menteur. Menteur-tricheur ? Menteur-tricheur voleur. Soit tu t'excuses et t'assumes, soit tu mens et t'essayes de nous duper et ça marche pas. Sors-le. C'est un cas compliqué. Après, c'est en 2019, vas-y, c'est bon. C'est en 2019, le mec, je sais pas. Il a clairement fait exprès, mais je sais pas, c'est en 2019. C'était à 2 ans. Allez, vas-y. On est con, mais il a raison, on est con. Allez, par contre, tu nous prends plus jamais pour des cons imbéciles. Voilà, bon retour parmi nous. Oh, bon retour.
Le cuir, je t'aime. Lucas, salut. Oh mec, à croire qu'il savait. Attends, mais c'est pas possible. C'est banni en novembre. À croire qu'il savait qu'on allait être là, tous les deux, à faire le truc de Deban. C'est pas un truc de ouf. À croire qu'il savait, en fait, qu'on allait juste retrouver tous les deux à Deban. Et à croire qu'il savait. C'est drôle, ouais. Il est drôle, c'est ah, drôle. Ah, quand je débanne ça direct, moi, putain, quand ça débanne direct. En tout cas, justification, très simple, un mot. Oui. Pardon. Pardon, et je suis d'accord. Allez, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ouh, il est là depuis longtemps, il est là depuis longtemps. Ah non, ça va. Ah si, 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 il s'est fait ban en décembre 2021, alors qu'il est là depuis octobre 2019. Et il a créé son compte, attention, en octobre 2019. Donc sûrement grâce à toi, Squeezie. Le 23 octobre, il a créé son compte. Il est là, tout roule, il est relâ en juin, il est relâ en juillet, septembre, novembre, décembre, tout va bien. Time, time, tout va bien, il chante time, time et tout. Comment vont, j'en plaît, petite phrase de McFly et Carito. Squeezie, t'es chômeur, ça le dégonflé. 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 Dégonflez-moi. Et après, il dit quoi? 20 secondes de ban et là, suicidé, 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 suicidé. C'est quoi ces psychopathes? Mais je sais pas, mec, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais suicidé, suicidé, c'est pas... Suicidé, genre, suicidé. Chante beaucoup, y a pas une musique où il y a suicidé, suicidé. Pourquoi suicidé, suicidé? C'est trop bizarre, pas, mec. Y a pas une musique? Non, je crois pas. Il l'aurait dit sinon dans son excuse, en vrai de vrai. Il l'aurait dit, non? Il a dit ça, le dégonflé, quand même. Je souhaite m'excuser auprès de Squeezie que j'ai traité de chômeur sans raison. Je suis navré, j'espère que ces mots ne t'ont pas blessé. Après tout, je ne suis qu'un viewer, je ne vais donc pas changer ta vie en deux mots. Bah... C'est pas pour ça en plus qu'il a été ban. Hein. C'est pour le suicider, suicider qu'il a été ban. Ouais. Bon, écoute, c'est un gamin, donne une chance. Je donne une chance? Ouais, c'est un gamin. Ça... Je comprends pas son comportement là. Bah, ouais, mais... GG, t'es bon, vrai, fais un effort, c'est lui détraqué. Time, time. Ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, je comprends pas ce qu'il a dit. Mais, moi, mais je, en sais fait... je sais comment débanne des en gens fait, avec après, toi. Après, ce que j'aime c'est pas, ce que j'aime pas, c'est le truc du ça a pas changé ta vie, hein, deux mots. Tu vois, ça, j'aime pas. Allez, hop, non, rejeter ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il y a aucune volonté honnête dans sa demande de débanne. Très, très, très cru, j'aime bien. J'aime bien. Victime de sa sponsor, il dépense plus qu'il en gagne. Hashtag Adagad. Comment il sait? Alors ça, ça devait être un live Genshin Impact. Le 16-06, tu veux que je regarde? Alors... Tu veux qu'on lance les trucs? Je suis... Tu veux que l'inspecteur Locke se mette sur le coup? Ouais, je suis sûr que c'est un live Genshin Impact. C'est sûr. Sûr. C'est parti, je regarde. Dans deux secondes, j'ai la réponse. Alors, les streams, c'était le 16 juin 2020. Oh putain, attends. C'était un 2020? Ouais, c'est ça. Alors, attends, qu'est-ce que t'as fait? Alors, le 16 juin, t'as joué à Red Shadow Legends. Oupsie. Et après, t'as joué à F1 2019. Et après, j'ai joué à F1 2019. Ok, ouais, bah, c'était Red Shadow. Bon, Emmanuel Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi. Ban. Emmanuel Macron, tête de con, ok. Salut les derniers hockey politiques. Donc, il admet qu'en parlant politique, il a chié. Et Twitch n'a rien à faire là, mais les deux premiers, je comprends pas le truc. Mais il pense qu'il a été ban pour l'ensemble des trucs, alors que c'est juste ça. Il comprend pas pourquoi il est ban quand il dit victime de sa sponsor, il a dépensé plus qu'il en gagne. Ah, c'est parce que t'as dépensé tes thunes? Ouais, ouais, non, mais ça, à la limite, c'est pas choquant du tout. C'est juste son truc de politique, tu vois. Ok, bah, tu vois, il a compris son erreur. Les deux autres, il n'a pas compris. Vas-y. Allez, vas-y, après, ouais. Après, c'était pas très actif, les gars. Avec un... Pas de politique, pas de religion. On n'est pas là pour ça, les gars. On est là pour le divertissement. Après, il n'y avait pas beaucoup de. Il n'était pas très actif, quoi, tu vois. Donc, je me dis, bon, ça sert à quoi de. Je sais pas. Bah, mec, il y en a plein qui ont des bannes comme ça. Et c'est 2020, mec, n'oublie pas. C'est 2020. S'il fait sa demande là en 2022. Ok, c'est vrai, tu as raison. T'as rejeté. Merde. C'est pas grave. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Merde. Pyrox 7, c'est bon. Les modos, ils vont le faire. Ils vont le déban. Quel dommage. Il a fait exprès. Coucou, comment va Squeezie chien? J'adore ce truc. Squeezie, tu. Mais enfin, frérot.
Tu pues la merde, gros. Bah allez, ban, chochotte. Bah alors, il dit que je vais être ban et il porte pas ses coucouilles. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu chochotte. Chochotte. Ah, chochotte, il est ouf, cette insulte, elle est ouf. Lui, il est venu, il voulait juste être ban. Je sais que je devrais pas être des ban car j'ai fait ça exprès pour être ban. À mon avis, je vais pas être des ban. Merci d'avoir lu ce message. Allez, frérot, allez. Vous me le sortez celui-là. T'es sensible. GG. Ah. Enculé, va. Non, enculé, vous. Ah oui, pardon. 60 secondes, GG, petite flamme. Chaîne YouTube, j'en ai pas MDR, je suis zoophile. D'accord. Asie, tu peux me déban STP, je sais même plus pourquoi j'ai envoyé zoophile et enculé. Vous m'en rappelez même plus. Et il y a même plus de fun quand il y a pas le chat en direct. Bannir alors que je me suis pris zéro avertissement, tes modos sont trop durs. Asie, bonne continuation. C'était déjà pris un time out en fait. Hein. Avertissement, il en a déjà eu un le 19 ans, mais il s'est fait time out. Ouais. Oh, Locke, bye bye, vas-y, bye, 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 vas-y, bye, bye, bye. Ça va mieux? Ça va mieux, Locke? Ça va mieux? Quoi? Quoi? Tu baillais là, chanter, t'es parti en baillage. Non, j'ai pas baillé, j'ai pas baillé, j'ai pas baillé. Mon frérot. Mes frérots. Alors. Tu es cringe, allez. Passe à la suite. Claire, concis, parfait. Apparemment, bien, okay. Quand on parle de ta rivière, on se fait ban. Quel balayage. 6 secondes. PTDR, les modos, vous avez une rivière aussi. C'est pas grave d'avoir la tête d'un iPhone X. Oh. Banni. Attends, ça date de quoi ça? Non, ça date de quand ça? Juillet 2021. Tu vois? J'ai parlé de la rivière, t'as vu? Mais non, c'est moi qui ai dit. Ah, il a le... pas dit rivière. Bah non, je veux pas. Si tu dis le C-word, frérot, je vais pas être content, je te le dis tout de suite. Ah, okay. Il a pas dit rivière. Oh non, t'espérais que quelqu'un dise rivière aussi. Ouais, je pensais que ça. Tu vois. T'avais tout, hein, frérot. Il a dit peut-être un iPhone X. Hein. Moi, j'aimerais savoir si Azarius a une calvitie ou non. Pour voir si le ban était objectif ou s'il s'est senti blessé personnellement. Je pense qu'Azarius, il fait les bans pour toi, mec. Et il a l'air assez bien comme modo. Ouais. Il a l'air bien, Azarius. C'est pas grave d'avoir la tête d'un iPhone X. Bonjour, je tiens à m'excuser de ces provocations infantiles. J'ai voulu faire l'hystérion. J'ai voulu faire le malin, à me faire rigolo. Mais l'ambiance du chat me manque. Et pouvoir voir et y contribuer, merci d'avoir lu ce message. Bonne fin de soirée. J'aime bien. Il a voulu être drôle, il a admis de vouloir être drôle. Moi, je déban. C'est vrai, après, quand t'es ban, tu vois plus le chat? Tu vois plus le chat. Ah c'est ouais. En fait, c'est ce qui énerve le plus les gens, en fait. C'est quand tu les bannes, ils en rendent pas compte. Mais ils voient plus le chat, ils voient plus rien. Donc un live, ça veut plus rien dire sans chat. Ok. Squeezie, gros fils de chien, il prend 1800 secondes. Casse ta mère, il prend 900 secondes. Fils d'enculé. Et là, il a alors pris là, son alors là, alors frérot. Alors là, frérot. Oh non, non. 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 Désolé, c'est mon frère qui avait mon téléphone. Non. Attends, check ses messages avant. On va enquêter un peu. Septembre 2021. Salut Squeezie, tu fais quoi? Salut, c'est quoi ça? Hello, wesh, elle en quelle langue ta musique? T'as fait top 1 ou pas depuis le début? T'as encore un chat? Perso, je préférais tes vidéos avant, je les regardais tout le temps. Là, ça m'intéresse plus trop. Je suis blessé. T'es qui, toi? Guf, sale modo, t'es mort. Mec. C'est. On dirait lui, hein. On dirait vraiment que c'est lui. Bah, bien sûr parce que c'est que lui, là, frérot. Le 16 et le 17, ton frangin, il avait le téléphone. Allez, c'est bon, remballe. Mais frérot, tu es fils unique. Allez, on passe à la suite. Ça fait quoi le time out? Ça dégage. Ce qu'il dit qu'il tire à balle réelle. Mais Loki, quel rapport avec Shoto, c'est ciao. Je crois qu'il est en live, c'est décevant. Les GG, il va avoir une promotion. Hâte d'être un enchère pour dire ce que je veux. Première fois que mon alarme stream de Squeezie est aussi utile. Alarme blanche, Natsu le hacker. Avez-vous déjà? Oh non. Oh il non. A fait les fonds de balai. Bonjour, bonjour, je suis à ma demande de débannissement aujourd'hui car je pense avoir eu suffisamment de temps pour réfléchir à mon comportement. Voilà donc ce que j'ai déduit, voyez-vous. Je suis triste d'être banni du chat et je comprends pourquoi je l'ai été, malgré tout. J'ai simplement fait une blague sur un mème à la mode. Lorsque Squeezie a dit « Avez-vous déjà ?», j'ai simplement fait la même blague qu'il a fait dans le Best of the Live. Mais j'ai aussi censuré mon message avec des, donc tout va bien. Est-ce que tu viens de remettre la faute sur moi, Widjeff? Non, moi j'aime bien. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'est moi qui t'ai incité? Oui, aussi. À commettre l'impardonnable? Oui. Allez. Ok, Locke, c'est les deux derniers. Alors
Lui, il est là depuis... Ah, là, ça va être un cas simple. Ah, il est là depuis longtemps, regarde. Waouh, wow, il est actif depuis longtemps. Depuis octobre 2019, ok. Bannissement. Remonte long de ouf. Ouais, mais c'était trop d'émotes, en fait. Non, mais je crois que c'est des bans def. Non, c'est bon. C'est, non, c'est, des bans auto, tu vois. Ok. Tout va bien, MDR, c'est simple. Hey, les gars, je vous jure, lire en live, c'est horrible. C'est horrible. Les gars, c'est abusé, c'est Lang qui m'avait dit ça et il a raison. Lire en live, c'est un truc de ouf. Ah ouais, ça te fatigue. C'est fou, mec. Hein, comme... Après, tu lis des livres, toi? Non. Ouais, moi aussi, c'est un grand regret que j'ai. Je lis très, très peu, quoi. Pour pas dire jamais. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est que du coup, on n'est pas habitué. Et quand on lit, on est tellement habitué à des jeux qui nous stimulent de fou que quand juste on lit des phrases, ça nous stimule pas assez. On s'endort, quoi. C'est un truc de ouf. C'est triste, imagine, en vrai. Imagine, on n'a pas connu TikTok. Imagine. Je passe ma live sur TikTok, mec. Ah ouais? Ouais, je suis énormément sur TikTok. Ah, mec, ma meuf aussi. Bah ouais, et ça. Ça met beaucoup de dégâts là. Et t'inquiète, il joue une compo qui te counter blitz, te grab quand tu ramasses les haches. Attention. Quoi? Menace en message privé? Oh! Ah! Ah! Bonjour, je suis Squeezie depuis un certain temps. Il est vrai que j'ai fauté, j'en suis désolé. J'ai lâché un message sympathique dans le chat disant que je trouvais la nouvelle mage plus nulle que l'ancienne. Et quelqu'un m'a rendu fou en disant que c'était parce que j'avais pas de niveau et que c'était pas un problème de mage. J'ai trouvé son commentaire envers moi tellement inutile que je lui ai insulté lui et sa famille. Désolé, j'avais perdu un boulot dans la même journée. Ça m'a rendu fou. Bonjour, Pierrot. Alors. Tout d'abord, j'espère que tu as trouvé un nouvel emploi. Est-ce qu'on peut avoir le VAR du MP? Le quoi? Non, il y a des gens dans le chat qui demandent le VAR du MP. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ce serait ouf. Ça arrive. Azerius, il doit l'avoir encore. Il doit l'avoir le MP si Azerius est là. On peut avoir le VAR? Ça arrive de traverser une mauvaise période et de lâcher son venin dans le chat. C'est pas dans le chat là, c'est en message privé. C'est vrai, en message privé. Je ne t'en veux pas, mais la prochaine fois, frappe plutôt ton petit frère. Petit peu. Non. Bonne soirée. Lucas. Bienvenue, non, Pierrot, pas le petit frère. Bienvenue mon frérot. Lucky FTM, il y a une soirée, il stream ou pas? Et c'est sans le casque du coup. Tu as allumé, t'es éteint, t'appuies sur la case du milieu, t'es qui est éteint. Un payday. Non, frérot, t'es pas supposé lire ça à voix haute. Ah ouais, même avec les Y, pardon, désolé. Ouais, bon, ça va, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Payday. Bah, c'est pour ça que ça me choque moins. Ah ouais. Mais bon, c'est le payword. Bonjour, bonsoir, j'ai fait une blague homophobe digne d'un enfant de 12 ans. Or, c'est sad, j'en ai 19 actuellement. Désolé pour ce désagrément, en espérant une seconde chance. Bonne fin de journée. J'ai adoré l'honnêteté. Il a écrit Luc. Ah, j'ai signé Luc. Ah, merde. Enchanté, Luc. Ah, j'ai pas fait exprès, je vous jure. Ça mais mon clavier, contre hashtag, mon clavier, des fois, il bug. Il y a un bug et il y a des touches, je vous jure, c'est vrai que ça s'appuie pas. Genre, moi, je trouve que ça va très bien, Luc, frérot. Arrête. Hey, les gars, vous voulez une histoire les de gars, fou. Les gars, appelez-le Luc. C'est trop bien, Luc. Vous savez ce qui est incroyable? Vous savez ce qui est incroyable, c'est que Mid et Nuno, bref, des potes, quand j'étais au Mexique, ils ont décidé de me renommer Luc. Je vous jure, c'est vrai. Et ils m'appellent Luc. Ils font comment ça va, Luc? Mec, c'est trop stylé, Luc. Non, Luc, arrêtez, Skywalker, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Skywalker. Non, s'il vous plaît. J'ai aimé en tout cas l'honnêteté, blague homophobe d'un enfant de 12 ans, alors que j'en ai 19. Désolé, ouais. pas mal. Carré. Remise en question, il y a tout. L'Oclear, c'est le dernier. C'est le dernier, alors, qu'est-ce qu'on a? 50 minutes de retard. Il faut pas qu'il chope un travail, hein, XD. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend? Non, c'est vrai. Pardon, Faisal, excuse-moi. Je me suis comporté comme un collégien, je suis désolé. Mon Dieu, c'est la honte. On a supprimé mon... Il met tout le temps des XD, il a la joie de vivre, Faisal. Ce que vous avez fait pour Zod, c'est incroyable. Tellement de gens voudraient être à sa place, merci à vous deux. Et voir demain pour le live à 20h. Très bien. Il est bourré, le Wagby.
La place de la... Lis pas, merci. Je m'excuse pour mon action désagréable et respectueuse envers les femmes. Je suis un être misérable, je ne mérite pas votre compassion. Mais j'ai quelqu'un d'important à j'ai quelque chose d'important à dire à Locklear. What the fuck? What the fuck? Locklear, t'es un homme bon et riche. Non, je suis pauvre. les gars, je suis pauvre. Arrêtez de chier, je suis pauvre. Subprime, il est pauvre, subprime. Les gars, je suis pauvre. N'écoute pas les médisants qui parlent mal de tes jambes de coq. What the fuck? Moi, je sais que tu as des jambes magnifiques. Un jour, un grand saladier, jambes de coq, tu n'auras plus cœur. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il était grave actif, lui. Il est là depuis 2018, mec. 2021, il a été banni en 2021, novembre 2021. 2018, ouais, il est là. Il est là de fou. Et pourquoi il a mis ça? Parce que, tu sais, c'est comme qui a déjà léché les goûts d'un mec, tu sais. C'est un peu là. Ah, c'est un mème, ok, ouais, c'est un mème. Ok. La manière dont t'écris cuisine, en fait, c'est ça le mème. Voilà. Bah en fait, genre, les mimes qui sont un peu... D'ailleurs, toi, excusez, tu dis mime ou tu dis mème? Moi, je dis un mème. C'est pas bien? Mais non. Ah non, c'est mime. Ah ouais? Moi, je dis un mème. Ouais. Moi, je dis mime. En tout cas, il a menti sur deux choses. La première, c'est il est riche. Et la deuxième, c'est il a des jambes de coq. Non, Locklear a des jambes très épaisses, très solides. Et les muscle régulièrement et je peux vous dire que son bas du corps en impressionnerait plus d'un. Une photo à l'appui. Tu m'enverras une photo pour le best-of? Non. Bon, non, allez, inspection des jambes. Inspection des jambes, je viens sur ton live. Inspection des jambes. C'est sur mon Instagram si tu veux. Inspection des jambes. Monte tes jambes. Non, tu saoules, frérot. Inspection des jambes. Allez. Non, tu saoules, frérot. Et t'as pas fini de me foutre. Déjà, mec, je te rappelle que t'as fait un Insta, mec, de chez moi, là, quand je suis à poil, frérot. Allez, inspection des jambes. Allez. Voilà. Regardez. Ces jambes, elles sont correctes. C'est le jogging? Je sais. Ok, les mollets. Ah. Quand t'as serré le jogging, il y a la moitié de l'épaisseur des jambes qui se sont désintégrées. Arrête. Non, elles sont bien. Là, elles sont pas bien. Ah, attention. Elles sont bien. Chat, dites-lui qu'elles sont bien, ces jambes. Ces deux baguettes chinoises, mec. Là, elles sont bien. Regarde, mon bras est aussi grand que mon mollet. Waouh. Elles sont bien, je mangerai des bons sushis, moi, avec des baguettes comme ça. Elles sont bien, frérot. Moi, elles sont plus petites, je pense. Hein. Je pense qu'elles sont plus petites, les miennes. Oui, mais tu fais 1m60. Ça te fait rire? Non. Il y a des phrases qui blessent. Bon, chat. Je t'aime mon frérot. Moi aussi je t'aime. Est-ce qu'on est bon avec toutes ces demandes? Il en reste 24 en vrai, mais j'ai un peu envie de jouer aux jeux vidéo, non? Comme tu veux, mec, on peut finir les 24, vas-y. En vrai, ça va vite là. Je te laisse gérer celle-ci, moi je vais me faire un petit verre d'eau. Ah bah alors, oui, je vais me faire un café, hashtag. Un café à 23h, mais quelle honte. Il va se faire un café. Alors, vas-y. Vas-y, moi je vais faire ma pub Twitch, les gars. Donc voilà, je suis en live tous les jours, hein, les gars. Je me donne à fond. Je suis là, les gars. Alors, non, je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nocturno qui a dit salut Squeezie. Salut, yo. Donc là, on peut voir, chaque jour, il dit salut. Il signale sa présence. 20h. Il est 20h15, MDR. Donc là, il est un peu déçu du retard de Squeezie. D'ailleurs, moi aussi. Hein, j'espère que c'est pas que je suis revenu. Hein, j'espère. Pour le rappeler à l'ordre et vous faire ban, peut-être. Bon, sauf si vous dites de montrer sa queue, effectivement, là, vous allez vous faire ban. Mais je compte sur vous quand même, parce qu'il est tout le temps, de plus en plus en retard. Et c'est à vous aussi de lui mettre des petits rappels à l'ordre. Voilà, il est... Il y a un truc qui m'énerve en ce moment. C'est les mecs qui disent que je suis tout le temps en retard sur les lives. Ça m'énerve de fou. Et t'as l'air fatigué, t'es en retard. Il y a beaucoup de choses qui t'énervent, j'ai l'impression. C'est dingue. Et moi, je vais dire, il n'y a rien qui me ferait plus mal au cœur qu'un pote streamer aussi souvent en retard
me reproche d'être en retard, mais je sais pas, je pensais à ça pendant que je me lançais le café. Et tu sais pourquoi, et tu as totalement raison, je l'admets, je suis de plus en plus en retard aussi, et c'est un cercle vicieux, et il faut qu'on s'en sorte, toi et moi. Oh, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé là ce que tu viens de dire. Je sais que tu tombes dans le même cercle vicieux que moi, sauf que tu streams une fois par an, et moi je stream toujours, d'accord ? C'est vrai. Je t'arrête. Attends. Avant de toucher à ton PC, frérot, n'oublie pas que je stream ton screen. T'inquiète. Tu vois là ? Ok. Non, mais j'ai cut. Ah, mais t'inquiète, tu peux mettre. J'ai 86 heures sur Elden Ring, hein. C'est pas mal, hein. 86 ? Ouais, t'es à combien toi ? 93. Non mais en fait, à un moment j'ai laissé le jeu ouvert et j'étais pas devant l'ordi, je crois que ça m'a baisé genre 15h. 15h ? Ouais, je crois, ouais. Ouais, quand même. Parce que je le laisse toujours comme ça quand je veux jouer juste 10 minutes, clac clac. Bref, on fait quoi pour lui là ? Parce que ça c'est des demandes, voilà, sur Twitch c'est bizarre quand même. Il a dit quoi ? Monte-moi ta gueuse là ? Ouais. Ouais, moi je débanne, hein, ça c'est... Ils ont 14 ans frérot, ouais. Ils ont cru que c'était la cour de récré, voilà quoi. Ah, je sais pas, mec. Hein. Je sais. Ou sinon, parfois, je leur montre ma queue aussi. Ok, les gars, on va arrêter les deux. Il est en roue libre.